Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben voilà, on a sauté une semaine et on est revenu un peu frais pour attaquer Noël. Le Black Friday a commencé depuis un peu plus d'une semaine, il va continuer un petit peu après. Donc c'est bizarre, c'est que les Black Friday maintenant c'est plus un jour, c'est un peu plus longtemps. Je sais que mon fournisseur, ça fait 20 jours, il a mis une durée de 20 jours. Et c'est pour ça qu'on a eu du retard la semaine dernière, donc cette semaine, sur quelques articles, comme le cendrier de Switch... Le Jerome Sloop. Voilà, parce que les colis ne sont pas arrivés à temps, et ils devaient être trop débordés sur les expéditions, donc on a eu des retards de... Donc tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, voilà, on repart sur une nouvelle semaine, à partir de lundi. Donc... Jérôme, il est revenu. Ça y est, c'est fini les vacances. Jusqu'à l'année prochaine. Il reste un mois, après il repart. Alors, on y va. On va commencer par les remerciements. Donc, déjà, on va remercier ce monsieur. Il a cette tête-là. Voilà. Monsieur Meyer, merci à vous. Alors, il nous a envoyé un petit cadeau. Donc, les remerciements s'imposent parce que ça fait plaisir. Il nous a fabriqué cet objet-là qu'il a mis sous vide. Sous plastique. Les petites boîtes de TCC d'ailleurs, voilà. Au passage. Merci quand même pour tout cette attention, c'est très joli. Et ce que c'est ces choses-là. On va essayer de le refaire chez vous. Alors attention, c'est pas du. Il n'y a pas de collage, hein. C'est que du découpage qui fait que ça forme ça. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui paraît impossible. Vous avez un truc qui a été découpé là et qui rentre comme ça, mais le problème c'est que si on le déplie. Eh bien, ça fait ça, il manque quelque chose. Donc Jérôme, il a vite refait. C'est un petit casse-tête, alors du coup, bon, ça je le connaissais, donc c'est pour ça que je l'ai moi, fait. Moi je connais pas, j'ai pas trouvé encore. Ouais. Non, t'as pas trouvé, c'est très particulier. On se demande comment c'est possible d'arriver à ce truc-là, mais il faut que tu le montres comme ça. Attends, on va montrer celui qui nous a fait. Voilà, oui, puisqu'on peut l'ouvrir. Donc c'est en fait, si on regarde bien, ouais, c'est vrai que sur la dame, c'est peut-être un petit peu plus... particulier, mais effectivement cette boucle là, voilà qui passe dedans. Eh ben, essayez de refaire ça. Mettez sur pause. Il n'y a pas de voilà, c'est pas un trucage. Il n'y a pas de collage. Il y a pas de collage. C'est juste du découpage. Oui, c'est un casse-tête. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Mais donc du coup, merci à Monsieur Meyer parce que du coup c'est super bien présenté, beau petit truc, une belle petite attention hein. Dans les boîtes TCC on sait que c'est pas donné, on les vend, donc d'avoir fourni ça dedans c'est super chouette, donc ça va rester en décoration avec ouais. Tous les petits trucs que t'as aussi. Et donc merci à vous. Ça au fait, c'est marqué là. Alors un petit objet impossible en cadeau pour tout ce que vous faites avec de la découpe, zéro collage. Non, c'est pour tout ce qu'on fait. Hop. Donc on n'a plus le choix, on est obligé de continuer. Voilà. Donc alors, c'est merci. Sympathique. Merci à Monsieur Meyer. Ensuite, on va remercier parce que je suis allé au Diavol et Monsieur Jaco. Il me semble que c'est Jaco. Parce que je suis désolé parce que je suis allé au Diavol, j'étais hyper fatigué. J'ai calculé presque personne parce que je voyais personne. Je me suis endormi à toutes les conférences. De toute façon, toi, de manière, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, ouais, le croiser le lendemain, tu sais même pas qui c'est. Mais c'est parce que j'ai pas la notion des visages. Et toutes les conférences et tous les spectacles, je me suis endormi à chaque fois. Donc voilà. Il devait être beau le congrès alors. Alors j'y suis allé, ça m'a plus fatigué qu'autre chose, mais c'était la tradition avec Claude d'y aller à chaque fois. Mais là, j'étais à chaise. J'avais fini le vendredi soir la review à ça devait être 3-4 heures du matin. 2 heures après, on est parti, on a pris la route. C'est vrai que t'es parti tôt. On a fait toute la journée, on est rentré le soir à 5 heures du matin. Donc ça a été, quand t'étais parti en vacances, j'étais HS. Donc il nous a offert des chocolats qui sont partis très vite. merci à lui. Et je pense que c'est Monsieur Jaco. Mais ça, c'est pas les chocolats que t'as reçus ici ? Non, ceux-là, non. Ah, d'accord. Ceux-là, je les ai ramenés. Parce que moi, je ne sais pas qui c'est, du coup, donc je ne pourrais pas l'aider sur ce coup-là. Donc, je suis désolé si je me suis trompé de nom, mais je pense que c'est Monsieur Jaco. On a l'habitude, maintenant. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis arrivé, moi, j'ai pu en manger deux chocolats. J'ai dit, on en a mangé, mais c'est vrai que j'en ai plus mangé, moi, avec Claude, sur la route. Donc, c'est encore merci. Donc, merci. Et après, on avait envie de juste faire des petits remerciements à la volée. Ils comprendront pourquoi.
Donc, on a. Merci à Delphine Babin, merci à Pierre Dupin, merci à Jean-Nono Carrère, bien sûr. Alors, il ne veut pas qu'on dise Tournerie, c'est François Olivier, Tournerie. Meyer, il est là. Jaco aussi. David Errant, Sauvego. Et toi, tu avais quelques mots à dire. Je ne sais pas. On n'a pas fini la liste, mais on en rajoutera à chaque fois qu'on fera un unboxing. Tu m'as eu là. J'avais des mots à dire. Ouais, je t'ai dit, parce que moi, c'est les mots que j'ai pris, mais il fallait en rajouter un peu jusqu'à la fin. Et tu n'as pas fait ton devoir. Non, j'avoue. Voilà. Je ne vois pas. Alors, on en rajoutera. Je ne vois pas, On remercie, il y en a, ils savent pourquoi. Et voilà. Ensuite, qu'on a fait tout ça, eh bien, on va démarrer. Mmh. On va commencer par les cartes. Alors, pas gros unboxing quand même ce coup-ci. On sera surpris à la fin de la durée, tu vas voir. Oui, mais c'est pas. Parfois, il y a beaucoup plus de trucs. On n'a pas eu le temps. Hein. Mais ouais, mais non, mais c'est pas temps. Ça, c'est qu'il y a. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose là que tu as pris. Bref. Rick et Morty, c'est Théorie 11. Ça, c'est juste. Vas-y, fais-le, t'as le bras plus long. C'est juste le devant, le derrière, le milieu. Mais après, je vous envoie les photos qu'il y a dedans. Ouais, parce que. Il est arrivé. Si il le est jeu déjà, est déjà en rupture. Il est revenu, il est reparti en rupture. Donc, la première fois, je les ai loupés. La deuxième fois, j'en ai eu, mais c'est parti encore en rupture. Si le jeu, il est comme ça, il est vachement dessiné. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça doit sûrement se rapporter à un dessin animé ou à quelque chose de connu. C'est comme les One Piece, là, par exemple, celui-là. Mais que moi je connaissais pas et que j'ai connu grâce à mon fils. Ah, moi, ça, donc voilà, comme là je vous envoie les photos. Je connais absolument rien. Et désolé si à chaque fois que vous voyez une review, ça part en rupture de suite parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et il y en a plein qui sont qu'on n'a pas mis parce qu'il y en avait plus. Mmh. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est One Piece, j'ai toute la collection, mais on vous en mettra qu'un à chaque fois pour les reviews parce que j'ai pas le temps de les mettre sur le site. Sanji. Donc j'ai pris toute la collection. S'il y en a qui veulent un de One Piece bien particulier, je peux vous le mettre. Mais autrement, je vais vous les mettre un à chaque fois, en fonction du temps qui me reste. Voilà. Parce que c'est très très long de mettre un jeu sur le site, parce que je fais la photo sur le côté, la photo dessus, je refais le montage, je ne fais pas juste copier-coller. Ça, c'est une série de 3, avec le rouge et le vert. C'est la série Snowman de Noël. Et après il y a le bleu qui Snowman est en série limitée apparemment. Alors, mais d'abord le rouge, allez. Okay. J'ai l'impression que l'intérieur c'est exactement les mêmes, sauf celui-ci ou la dame de cœur par exemple qui serait. Tu différent. Crois pas que là les dos sont verts, là les dos sont rouges? Oui, mais au niveau des piques. Ah oui oui. Allez, bon, ça serait dommage. Donc le Snowman. Snowman rouge. Back, donc en rouge avec en rouge. Le petit cil ici qui représente un flocon de neige. Hein. Donc un petit bonhomme de neige, bah, s'ils sont comme ça à l'intérieur, c'est joli comme carte. Donc là le rouge et le vert. Donc du coup moi je les ai pas vus aussi, d'ailleurs ni en vidéo. D'habitude il y a des trucs que je regarde, mais comme je suis arrivé de vacances, donc du coup... Il y a une vidéo sur cela, mais que j'ai pas eu le temps de mettre, que je vais mettre ce soir. Et il y a la version apparemment limitée sur le bleu. Et je pense que j'ai vu que la dame était différente sur celui-là par rapport à celui-là. De toute façon, c'est marqué édition limitée. Ça, c'est une première impression et limitée d'édition. Donc voilà. Effectivement, c'est bien une édition limitée donc sur le Snowman Back, mais en bleu, un bleu turquoise. Donc au niveau du dos, c'est identique, mais bien évidemment, au niveau de devant, c'est différent puisque là on a le petit bonhomme de neige qui est dessiné sur le pic, alors que les deux autres sont des chapeaux dessinés dans du pic. Voilà, bien au niveau des cartes. Bon, le design il peut être sympathique. Ouais, ils sont jaunes. À voir. Après, on a les Marc-Antoine, les marques, l'absus. Les dés de Anverdi en rouge, en noir, en bleu et en blanc, c'est pour remplacer vos dés qui sont peut-être cassés, perdus ou qui défectueux au niveau batterie. Ça veut dire que d'après ce que j'ai compris, si vous avez un seul dé, la machine le mental die avec un seul dé blanc
vous pouvez le remplacer par le dé blanc. Mais vous pouvez le remplacer par le dé noir aussi. Inversement, si vous avez acheté le mental die blanc, noir, vous pouvez mettre du blanc à la place. Mais vous enlevez l'autre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous servir des deux. C'est ou l'un ou l'autre. Les deux, ça doit s'appairer apparemment sur le noir et le blanc, ou le blanc et le noir. Pareil sur celui qui a acheté les trois couleurs, qui est comme ceci, les trois couleurs, c'est ça? C'est ça. Donc vous pouvez remplacer le blanc par le noir, et donc le noir s'affichera dans la colonne la catégorie du blanc. Du blanc. Voilà. Tout par contre, est-ce qu'on peut prendre pour le mental die un rouge? Ça, je sais pas. D'accord, c'est pour ça que je sais que pour le blanc et le noir. Okay. Mais bon, je vois pas l'intérêt. À moins que... Non, l'intérêt, c'est d'avoir juste un dé de couleur. La seule chose, faudrait essayer nous. Voilà, mais comme on n'a pas eu le temps, et que t'as pas le temps... Ouais, et qu'on sait pas s'ils sont chargés en plus. Voilà. Donc ça, c'était les mental die dans Verdi. Mais bon, du coup, Les dés de rechange. Ouais. Donc si vous avez pas le tour mental die, ça ne vous sert à rien. Tout à fait. Voilà, achetez d'abord le tour, et s'il y a un problème, achetez-le. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de besoin. J'avoue que c'est quand même bien. Étant donné que le dé, en plus, il n'est pas si cher que ça au final, le dé, parce que c'est pas 45 euros, un truc comme ça. Ouais, le tour en vaut quand même 170 ou je sais plus, ouais, à peu près. Alors, c'est vrai que pour 45 euros. C'est rassurant de savoir que on a ouais, des dés de rechange. Si vous avez une batterie qui est vraiment défectueuse sur un truc où ça fait plusieurs années, où on sait très bien qu'il ne vous le changera pas. Ça va, peut-être que vous en avez besoin que dans 2 ans, mais vous savez maintenant. Tout à fait. Grâce à ça, c'est bien quand même d'avoir des dés de rechange. C'est quand même pas mal. Ça, c'est intéressant. On a les dés de couleur, donc rouge, noir et bleu, plus encore un rouge, un noir, un bleu. Ça, je vous l'ai déjà montré. On a la série tout noir. Ça, on l'a déjà montré. Et maintenant, on a la série tout blanche de dés ordinaires qui va avec les mental die. Si vous voulez faire des changes, si vous voulez avoir toujours le même matériel pour jouer et sortir ça au dernier moment pour pas que ça se voit, donc ça, on l'a déjà fait. Ouais, c'est vendu par 6 à chaque fois. On a le tout noir et maintenant, on a le tout blanc. Les couleurs, les tout blancs, les tout noirs. Voilà, au moins, on a toute la collection. Il n'y a plus qu'à aller voir sur le site. Hop là. Ensuite, on fait ça. Oui. Allez, moi je suis pas convaincu de ça, mais toi tu l'as. Moi oui. Cache Rubik, produit par Tora. Alors c'est vrai que Thierry il est pas convaincu du tout, parce que du coup il reste sur le principe de ces fameux dés là avec les élastiques dans les. C'est dans le sens où y en a qui vont le voir, ils vont dire c'est peut-être bien, mais en fin de compte c'est pas pour faire à la maison, c'est sur scène. Tout à fait. C'est un effet. Si on est sur scène, il n'y a rien qui se verra. C'est un effet de scène. Typique, le truc fonctionne une fois qu'on l'a travaillé et qu'on l'a, je dis pas travaillé techniquement, mais travaillé au niveau le pliage du carton et tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est ultra visuel. Alors oui, ça reste, quand on le voit, après je vous le montrerai par la suite, mais avant de le dire, quelque chose de basique quand on voit comment c'est fait, donc c'est sûr qu'on se dit oh, ça va pas ressembler à un billet ou à un Rubik's Cube à un mètre, oui bien évidemment, mais c'est un tour de scène. Si vous êtes trop près, on verra que c'est pas un vrai c'est cube, quand et oui, pas un vrai billet de et banque. Pas un vrai billet. Mais sur scène, je veux dire à 4-5 mètres sur scène, il n'y a aucun souci. Rien nous empêche de changer le billet déjà. Oui, on peut, oui. Par-dessus. Oui, on peut. Mais, tout à fait. Mais aucun intérêt. Voilà. Mais sur scène, c'est très beau. C'est comme quand on parlait la dernière fois de fameux trucs dans les mains, comme ça, qu'à la fin, il y a un éventail de cartes. Eh bien, le bloc, il est épais comme ça. Mais sur scène, il faut savoir qu'un bloc épais comme ça, montré de face, on ne voit pas l'épaisseur, on ne voit pas la profondeur. Et ça fonctionne très bien. Tous les trucs sur scène que vous voyez de extrêmement visuel, d'échange rapide, c'est toujours du gimmick. Quand les cartes changent de couleur comme ça plusieurs fois sur des techniques de manipulation, c'est des blocs de cartes qui sont hyper épais avec des flaps qui sont souvent très mal faits, mais sur scène ça ne se voit pas. Donc ça, franchement, faites-moi confiance, ça se voit pas. Je vais vous le montrer. Il faut juste que vous sachiez pourquoi, parce que si vous avez besoin de faire un truc, c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre dans une routine. Je prends toujours l'exemple, moi, par exemple, de Soma qui faisait une routine avec les pièces, puis les trucs de M&M's, les téléphones et tout ça, et à la fin qui faisait des changes. Mais ça, c'est pareil, on peut très bien faire une routine de billets, style, je sais pas moi, des trucs comme aux Akabil, et de, à, voilà, à il faut que, thème, ça, il faut que ça corresponde. Donc je vais m'éloigner un petit peu pour mettre dans la condition, mais l'idéal, on pourrait avoir ça dans la poche, par exemple, qui est préparé. Voilà, et puis on sort notre billet de banque et instantanément, boum, on va produire un Rubik's Cube et qu'on va montrer. Donc c'est-à-dire que le change est extrêmement rapide. Première version,
Si je le fais et que je m'arrête un petit peu plus, hop, on monte notre billet de banque, donc c'est quand même quelque chose qu'on monte qui est quand même assez fin. On est juste ici, je tombe, et instantanément, on lâche et on a produit un Rubik's Cube. Donc ça reste quand même effectivement très propre. Première version tenue comme ça. Deuxième version un petit peu différente où là on va se permettre plutôt d'aller chercher par exemple dans une mallette ou dans quelque chose un billet, donc avec une prise qui est différente. Tout à l'heure je tenais le billet comme ça, là je tiens le billet comme si je le sortais de quelque chose. On montre notre billet de banque. 1, 2, 3, on va venir ici et on produit instantanément un cube qu'on va venir montrer sur les côtés et c'est terminé. Donc vous avez vu que c'est quand même extrêmement flash parce que de là, sans rien faire et boum, et d'un coup produire un cube sur on va dire un volume de 3 dimensions, ça reste quand même très très beau. Alors, il n'y a pas d'élastique. Il y a des élastiques? Ben oui. J'ai pas vu. Pourtant, je l'avais dans les mains. C'est le principe des dés. Ah oui? Oh putain, je Euh, les ai pas vus. des, J'allais dire, ça va pas casser. c'est le principe Pourtant, des. je l'ai pris, j'ai Mais vu non, ça et... Ah oui, mais... ça reste le principe des Ah ouais? dés dans les sacs de trucs D'accord. de Torah ou. Donc, si les Voilà. élastiques y cassent, on les change. Ah oui, exactement. D'accord. Mais c'est vrai que quand on est ici, ça va, ça reste quand même très propre. Et je vous le refais parce que franchement, moi j'adore. Allez, je vous le fais comme ça. Moi, j'aime pas. Hein. 1, 2, donc 3. C'est instantané. C'est vrai qu'il a fait à ma femme tout à l'heure. Elle a fait les grands yeux. Hein. Ah ouais? C'est Mais elle était à la bonne distance et elle a dit, mais d'où ça vient, de ce moi? billet de banque, on vient, tac, on le pose dans les mains, on a quelque chose de plat. En plus, là, je vous le montre comme ça, mais il faudrait que je regarde un peu le retour pour pas flasher, mais je peux vraiment le montrer à plat. Ça reste plat et d'un coup, on le pose et on a un Oui. volume en Tout est dans un Rubik's l'histoire. Cube. Je. Ma femme est Moi, plus voilà. argent, mais mon fils plus Rubik's Cube. Et ça fait partie de l'histoire. Je Voilà. parle pas de la routine, moi je parle de la conception. Ça Tout à fonctionne, fait. Vous ça reste du trouvez? carton brillant, machin, donc c'est pas un truc en plastique, donc faut faire attention quand on le manipule. Mais l'idée, je trouve que elle est pour moi D'accord. excellente. Sur scène, c'est sûr et certain que vous montrez un truc comme ça, boum, d'un coup ça change, et c'est complètement autre chose. Je suis sûr et certain à 100% que l'effet sur le spectateur, il est très bon. Je parle sur scène, attention, je dis bien sur scène ou peut-être réseaux sociaux. Sur scène parce En que aucun cas que c'est faisable en close-up ni en salon. dès que vous Voilà. l'aurez de près, vous direz, mais c'est impossible que je fasse passer ça pour un Rubik's Cube. Tout à C'est pour fait. ça que de scène, oui. Tout à Donc, fait, et bien ne sûr. soyez pas déçus quand vous allez avoir ça dans les mains. Pensez que ceux qui sont en face ne verront pas ce que vous voyez, vous. Bon après. Après, ça ne fait pas un Rubik's Cube. Non mais c'est pas. Ben, c'est ouais, c'est les autocollants de Rubik's Non mais Cube, je suis oui, d'accord, ça. mais c'est pas totalement moche quand même. Ça va, c'est pas non plus. Ouais, je On a sais. eu pire quand même. T'as des parts, j'ai Ouais. compris. Non, mais on a eu pire. Non, moi j'aime bien. C'est de toute Allez. façon tous ces trucs flash à la base qu'on peut faire sur scène, c'est des trucs qu'on peut inclure dans des numéros. Et si la base l'effet est bon, il n'y a aucun Alors, souci. on parle de ça et après on fait un petit truc un peu C'est sérieux. rare qu'il y ait un truc que t'aimes pas, toi. C'est toujours plutôt le contraire. Ça. On a deux chez Marchand de trucs, origine, les jeux alphabet et les jeux numériques. On peut les ouvrir? Les ouvrir. J'espère Exact. qu'on va pas se tromper parce que pour reconnaître l'alphabet numérique, il faudra lire les petits morceaux qui sont là. Mais ça va, tu regardes si c'est des lettres ou des nombres. Mais on va pas les ouvrir. Donc là, c'est un. Il n'y aura pas de notices qui vont avec. Alors, Hop. c'est les jeux alphabet. J'ai fait ça. Voilà, il y a toute la collection. Derrière, le design est comme ça. C'est un jeu apparemment marqué. Et après, avec ça, vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous recherchez des jeux lettrés un peu vieillots, maintenant c'est revenu Je en stock. réponds aux gens en même temps. Parce qu'on avait les 1900 avant et ils y sont Oui, plus. alors c'est pas que c'est vieillot, c'est que c'est un design effectivement. Plus mentaliste, Oui, voilà, voilà, qui va dans le thème. c'est pas quelque chose avec l'œil au milieu. Alors, c'est des lettres ou des chiffres du coup là, qui se baladent à droite et à gauche? Ah, c'est toujours des lettres, C'est le d'accord, même ok. design. Donc vous avez exactement le même design là et là. La même boîte là et là. Ah non, mais on a ouvert deux. Deux. AZDM, Mais oui, toi on a ouvert. aussi? J'allais dire, c'est. Donc, Ah. on sait pas alors. Vas-y, fais voir un numérique. Pourquoi tu en s'est trompé? Numérique, faut que je te trouve? Ouais.
Donc c'est donc pour en revenir quand même, donc des cartes alphabétiques numérique. Qui sont quand même assez sympathiques au niveau du design, parce que du coup on a une lettre qui est sur fond, c'est livré une carte double dos et également une carte double face pour certains trucs. Il n'y a pas de routines qui sont fournies avec, vous lâchez en tant qu'accessoire. Donc du coup vous avez 28 cartes, les 26 cartes alphabétiques plus les deux cartes gimmicks. Donc ce sont des cartes quand même qui se voient bien. On est sur un fond quand même assez clair, donc les lettres sont quand même extrêmement visibles. Donc, Donc du coup, il n'y a rien à dire. Le marquage est assez subtil, parce que du coup, c'est vrai que, je ne sais pas si Thierry connaît le marquage, mais à mon avis, si je lui montre deux cartes comme ça et qu'il le cherche, pour moi, c'est sûr et certain, il ne le trouvera pas. Donc le marquage est quand même extrêmement subtil. Et je pense pas que tu le trouves. C'est à moi ce que tu as vu l'explication, mais c'est bien fait. Non, on ne sait pas où regarder. Hein. Si c'est en bas, au milieu, si donc, c'est l'œil. Non, tu vois directement la lettre alphabétique. Donc c'est bien, il n'y a pas besoin de chercher. D'accord. Franchement, c'est le top. Et du coup, alors ? Et là, c'est le numérique. Ah, mais alors voilà. Donc j'allais dire l'alphabétique, l'intérieur des cartes. Alors on ne le voit pas trop sur le design. Voilà, mais tout ce qui est en haut, là, comme ça, c'est que des petites lettres alphabétiques. Et du coup le numérique, est-ce que c'est que des nombres? Alors je pense que oui, mais bon, je suis pas sûr à 100%. D'accord, ok. Donc ça reste le même principe, donc ce coup-ci on est sur du numérique. Je sais pas si je vois pas au retour, voilà, donc ça se voit très très bien. Et le design de la carte ici, là tout là c'était que des lettres alphabétiques, et là on est forcément, vous l'avez compris, que sur des chiffres. Voilà, donc il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Je pense que c'est aussi livré avec une double face exacte, avec deux doubles faces ce coup-ci. Est-ce qu'il y aurait une double dos? Alors je vois pas l'intérêt d'une double dos sur ça, mais ouais, donc voilà, effectivement. Y compris le 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et encore une série à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, plus deux cartes. Double face. Voilà pour ce jeu là donc fait, produit par Marchand de Trucs. C'est le jeu Alphabet Number Origine, et l'autre, enfin pardon, c'est le Alphabet, c'est le Alphabet Number mais en nombre, et lui c'est le Alphabet Number. Oui, parce que mais sur la jaquette il y a marqué Number, tout à fait, il y a les deux, mais en lettres de l'alphabet. Regardez, voilà. Ça s'appellera sûrement Alphabet Origine et l'autre Number Origine. Alphabet Origine, donc c'est bien ça. Je l'ai mis dans le bon truc. Ça c'est un coup à ce qu'on fasse n'importe quoi et qu'on vous envoie n'importe quoi. Et voilà. Donc allez, ça a le mérite d'exister. Des cartes comme ça, c'est vrai qu'on en avait. On avait les premières, les Pianix, qui étaient bien. Au final, après, bon, c'était un peu moins bien. Puis d'autres trucs. Et puis finalement, on a maintenant ces cartes-là. Donc c'est très très bien. On a les recharges de Fusit. Donc si vous, ça c'est toi qui avez fait le tour. Donc si vous avez le tour et que vous voulez... Du coup, ils vendent quoi là, dans la recharge? On n'a même pas regardé, mais on sait que c'est des recharges. Parce que bon, la recharge de Fusit, à part redonner des... Ah oui, mais si, ils vont redonner les longs post-it, je pense. Je découvre en même temps que vous. Hein. Comme ça vient d'arriver ce matin, ouais. On l'a posé sur la table. Je découvre en même temps que vous. C'est le tour, ah non, mais ça, c'est pas la recharge, ça, c'est le tour, ça. Alors, on est où, la recharge, alors? Heureusement qu'on regarde. J'allais dire, si ça, c'est une recharge et qu'il refile le tour. Ils sont trompés parce que j'ai commandé des recharges. Alors, ben, moi, je pense que la recharge, techniquement, ça reste ce papier-là, voilà. Celui-là, là. Donc le long papier qui permet en fait d'être plié en deux et faire le format de votre petit truc de post-it. Donc je pense que les recharges c'est ça, et peut-être un carré de post-it pour qu'il ait exactement la même taille. Je pense pas qu'il y ait des recharges du... Je pense pas que ce soit la recharge du gimmick. Enfin, je veux pas dire une bêtise, mais... Là il y a tout le gimmick et tout, donc... Là c'est le tour complet, ça. Allez, on n'en parle pas, parce que j'ai commandé des recharges et ils m'ont envoyé autre chose. Bon, écoute. Allez. Mais regardez quand même le tour, il est sympa. Allez, fais-nous vision. Tant
Tant pis, tant pis. Allez, on attaque un peu les tours maintenant, vraiment les tours qu'on a reçus. Alors cela, ça fait un petit moment qu'on l'a reçu, mais du coup, le temps qu'on le fasse et tout, parce que c'est un truc qui est tout monté de base, mais comme on en avait qu'un, on voulait pas le tuer. Donc Vision, Matthew Wright, pour moi c'est excellent. C'est vraiment un très bel effet. Alors c'est vrai que ça pourrait être un petit peu délicat suivant. Il est tout en anglais. Ouais. Alors, quand on dit tout en anglais, c'est que le système de codage, entre guillemets, fait que... Parce que eux, nous, un arbre, c'est un arbre. Eux, un arbre, c'est tree. C'est ça. Donc, même si un arbre, ça reste toujours un arbre comme dessin, parce qu'il y a des dessins, plein de dessins sur les cartes, ils sont faits pour être cités en anglais. Nous, on vous a tout refait en français. Tout à fait. Alors, regarde. On vous fera l'explication la semaine prochaine. Attendez un peu pour ceux qui l'ont déjà acheté et pour ceux qui sont en train de l'acheter. Vous aurez l'explication avec tous les détails comment le faire. Donc si vous voulez le faire en français, il vous faudra juste, s'il achète en bleu. Alors rappelle-toi qu'on avait dit quand même... Ah ben non, oui. Ça c'est en bleu. Ça sera tout le temps en bleu. Ben, les dessins sont toujours sur des cartes rouges. C'est-à-dire qu'ils ont qu'à acheter un jeu bleu pour le refaire pour le refaire, tout court. Parce qu'il n'y a que des bleus, de toute façon. Mais il n'y a que ça, oui, il n'y a pas le choix. Donc vous avez juste besoin de 26 cartes bleues pour vous le refaire. Un jeu, parce qu'il faut prendre les mêmes cartes qui coïncident. Voilà, jeu de 26 cartes. Ben non, parce que il vaut mieux prendre qui... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a besoin de 26 cartes, mais vous achetez un jeu bicycle classique. Vous achetez un jeu de bicycle bleu si vous voulez faire... Ils refont le dessin. On refait les dessins, mais bon, on vous dira de toute manière, nous, les... En gros, soit vous rajoutez un jeu à 3 euros et quelques en bleu ou en rouge en fonction de comment vous voulez le refaire, mais ça... Vous avez ça à la maison, donc il n'y a pas de souci. Il y aura juste besoin d'un jeu rouge ou un jeu bleu. Comme il y a un système de marquage dedans, mais il y a deux solutions. C'est ou soit vous refaites les dessins pour correspondre aux lettres alphabétiques, ou alors ben, vous refaites le système de marquage des lettres alphabétiques et vous gardez les dessins. C'est pour ça que c'est peu importe. En gros, mais en tout cas, c'est génial. Vous achetez ou un jeu bleu ou un jeu rouge et vous le refaites en français. Allez, allez. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, alors je vais essayer de me rapprocher quand même de l'idée de base, même si là j'ai rien construit du tout, mais vous allez voir quand même c'est assez sympathique. On s'adresse à un spectateur et on lui dit que, alors on a 52 cartes, toutes différentes. Tu vas me demander de choisir un dessin. Voilà, donc je peux les montrer, donc je peux vraiment payer le luxe de montrer ça au spectateur, de lui faire vraiment défiler toutes une par une. Là, je vous le dis, hein, pas de cartes courtes, pas de cartes biseautées, voilà, c'est... C'est exact. On a un jeu de cartes, 52 cartes toutes différentes. Et l'idée, en fait, on va expliquer au spectateur, c'est très simple, est-ce que tu peux couper le jeu aussi, que grâce à sa personnalité, grâce peut-être à son choix d'une image ou un truc comme ça, il peut tomber sur, en fait, une carte qui est complètement différente dans son jeu. Par exemple, si tu étais quelqu'un de réactif, par exemple, peut-être que tu couperais le jeu comme ça, tu vois, donc c'est d'instinct, tu sais pas où t'aurais coupé. Par contre, si t'étais quelqu'un d'un petit peu plus lent, tu prendrais peut-être ton temps pour faire attends, je veux là, et puis je veux couper ici, et du coup forcément le choix il serait différent. D'accord. Alors on va faire un truc, je sais pas si j'ai les... Non, j'ai pas les jokers, bref, peu importe. Je vais laisser le jeu là, et je vais te demander si par exemple je devrais te demander de faire un petit dessin comme ça qui te passe par la tête. Un truc simple, hein, qu'on peut mentalement imaginer ou reproduire de façon facile. Tu ferais quoi comme dessin? Normalement, je suis censé y penser. Là, je suis obligé de... Ah non, t'es pas censé penser. Ah ben, t'es obligé de le dire. Ah, je te le dis? Ah ben oui. D'accord, je croyais que j'allais le décider pour le montrer aux gens et toi tu le voyais pas. Ah non, ah ben non. D'accord. Ben non, on veut pas des miracles, comment je ferais? Okay, je sais pas. Donc, je connais pas le ton. On demande au spectateur de Allez, je te on dis. On lui demande un petit dessin, qu'est-ce que tu dessinerais comme ça de simple. Si je fais un truc d'instinct, voilà. Je fais ça moi. Voilà. C'est quoi? C'est un petit bonhomme? Un bonhomme. Allez, un petit bonhomme. Fais le propre, tiens, fais lui les yeux. Je pourrais faire un avion. Ah oui, ce que tu veux, t'as fait lui les chaussures au moins. Petit bonhomme. Je pourrais faire une maison. Allez, super. Ok. Une tente. Donc toi, ben, d'instinct, comme ça, tu choisirais ça. Un petit bonhomme. Ok. Donc une fois que ça, ben, on sait que le spectateur a dessiné ça, il le dessine, c'est très bien, il pense à ce qu'il veut.
on remontre encore toutes les cartes aux spectateurs pour montrer que toutes ces cartes sont différentes. Et on coupe le jeu. Et on va demander, alors bien sûr on peut encore lui remontrer, il n'y a aucun souci. On va demander aux spectateurs de prendre le jeu, de le mettre dans notre main tout simplement. Voilà. De mettre la main à plat et on lui demande ben, est-ce que tu es quelqu'un plutôt de réactif ou plutôt tu vas te concentrer, tout ça. Comment tu es dans la vie? Réactif. Ah ben alors, donc tu réactives, tu vas couper le jeu, tu vas le poser dans ta main. Ah c'est ça réactif? Ah oh, c'est le dieu, reste comme ça. C'est ça réactif? Ouais. Ah ouais putain, sacrément réactif, ça se voit que c'est moi qui fais tout au magasin. Alors, bref, pour dire que tu as coupé le jeu à un endroit que je peux pas connaître et que tu as fait un dessin dont je ne pouvais pas, enfin je le connais, mais dont je ne pouvais pas connaître à l'avance. La seule truc que je vais te demander maintenant, c'est que moi j'avais fait une petite prédiction depuis le départ. Mais avant de regarder la prédiction, je vais te demander quand même, s'il te plaît, de retourner la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Parce que juste, tu peux la retourner. Et tu t'es arrêté sur le 9 de trèfle. 9 de trèfle. Donc t'imagines que tu aurais pu t'arrêter sur n'importe laquelle, oui. Encore une fois, de toutes ces cartes-là. Et tu te rends compte que normalement, je t'ai demandé de couper le jeu. Normalement, je lui ai demandé à Thierry de couper le jeu comme ça, mais il aurait pu le faire vraiment caché, moi complètement tourné. Mais tu vois, là, pour la vidéo, on a fait ça. Mais c'est vrai que tu aurais pu le faire vraiment complètement caché. Tu te rappelles, j'avais dit que j'avais une petite prédiction? Tu m'as dit ça, oui. Depuis le départ, dans la poche. Parce qu'en fait, si on regarde depuis le départ dans ma poche, j'ai moi aussi une petite carte qui ressemble normalement étrangement à ton œuf de trèfle. J'ai coupé. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est effectivement... Alors, je montre quand même hein, que j'ai rien d'autre dans la poche, que j'ai pas un classeur de cartes. Et dans les autres poches? Et dans les autres poches non plus. Non, ça sort toujours de la même poche. C'est ça qui est bien. Ça peut être même sorti d'un portefeuille aussi. Là, j'ai fait vraiment la version, on va dire, classique. Et là, on montre que déjà, ben, c'est assez intéressant parce que du coup, on est exactement sur la même carte d'un jeu qui est complètement tout différent. Et ça, c'est fort. Mais en plus, ce qui est encore plus fort, c'est que le choix de la carte, c'est déjà puissant pour un spectateur. Mais j'étais sûr et certain que tu allais choisir cette carte-là. Ben parce que mon enfant, quand il joue avec les cartes, des fois, il fait des dessins sur des cartes. Et en fait, il avait capté un truc assez intéressant, c'est que sur le 9 de trèfle, la carte que tu as choisie, il avait aussi dessiné un petit bonhomme. Effectivement, le dessin auquel le spectateur a pensé. Un petit bonhomme. Et ça, c'est puissant. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'il aurait pu dire n'importe quel dessin. Même si vous avez vu une coupe en croix. Oui, mais ça, vous posez la question. Comment? Il a pas voulu faire un des chichis au niveau. J'ai voulu le faire tel quel, comme. C'est pour montrer. Comme il est fait. Au niveau technique, il y en a pas trop, à part un petit truc, mais. Ouais, mais alors. Ça passe bien. La technique et l'empalmage là de base, on voit tous, hein, on va pas tergiverser sur ça, mais c'est assez intéressant parce que c'est tout à fait logique. Quand on montre notre carte, voilà, et qu'on dit, c'est ça qui est bien sur cet effet-là. Le tour, il est génial. Le résultat, le tour, il est vraiment génial. La construction du tour, elle est, il est terrible. Comme on s'est dit, on aurait pu... Il est terrible. On aurait pu forcer une carte et c'est pareil. Mais comment? Le dessin. Voilà. Donc c'est très très bon le fait de dire on aurait pu être caché comme ça, c'est normal de cacher le jeu, de toute manière on cache, mais quand on le pose, il y a toujours la carte du spectateur qui est ici, donc les gens, je parle un profane, hein, pas un magicien, il peut même pas penser que vous avez fait quelque chose de bizarre, puisque dans tous les cas, la carte du spectateur qui est montrée ici, même que vous mettez la main dessus quand vous reposez, elle est toujours là. Donc ça, franchement, la routine est vraiment très 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 bien faite. Je vais pas dire qu'il peut avoir un risque que vous ne trouvez pas le dessin du spectateur, mais quand vous faites ça normalement en condition close-up, condition de travail, vous avez forcément toujours plein de spectateurs devant vous. Donc même si au pire le spectateur ne dit pas un dessin qui peut ne pas vous arranger, vous pouvez vous détourner vers une autre personne. Donc franchement il n'y a aucun souci. Quand on dit qu'il faut se le refaire, vous n'êtes pas obligé. Parce que, de quoi il faut pas se refaire? Là il y a marqué, là j'ai fait un homme. Lui, dans sa tête, c'est men ou homme, s'il a fait français, mais s'il avait fait non, s'il avait laissé comme il était, il fallait juste qu'il se rappelle que homme, c'est men. Tout à fait. Si on veut pas le changer, on apprend les 26 dessins, les 26 traductions, entre guillemets, mais il y a encore qui sont simples. Il y a quasi, parce que combien on en a trouvé, ce côté-là, français-anglais, il n'y a que vous
qui vous en occupez, non, mais en le plus, spectateur. Combien on a trouvé d'écart de cartes? Parce qu'en fait, t'as vu, quand on l'a remis un peu dans l'ordre, il n'y avait que quelques cartes qui étaient, entre guillemets, vraiment difficiles. Qui n'étaient pas logiques de la traduction. Je veux dire. Comment dire, dragon. Oui. Il y en avait beaucoup de. Voilà, de similaires ou des choses qui sont ultra connues. Je veux dire, bon, c'est pas avion, flying, flight, bon, c'est. C'est quelque chose qui reste quand même. Fleur, de flower. Ouais, voilà, exactement. C'était le même. C'est quelque chose qui reste quand même dans une logique. C'est sûr, voilà, qu'on parle avec. Même si vous n'êtes pas anglophone, moi qui le suis pas, bon, à la rigueur, maintenant, le langage magie, ça va. Mais même là, j'aurais pu le faire directement. Là, on a voulu le refaire pour vraiment, en plus, pouvoir vous faire l'explication avec exactement le jeu qui est ici. Donc, au moins, vous aurez une explication en français. Mais franchement, c'est largement faisable comment c'est fait de base. Voilà, on vous l'a mis en français. On va vous l'expliquer en français. Mais il faudra juste nous laisser le temps. Juste petit truc. Là, vous avez vu que ma prédiction, je la sors de la poche pour montrer que la prédiction sort de là. Mais si vous avez un portefeuille style un CTW, un portefeuille, un Opalme Wallet, par contre. Celui qui est le point 2 là. Non, parce que ça fonctionne. Quand on ouvre, on prend un peu plus. Non, il faut la glisser. Vous pouvez utiliser un portefeuille comme ça de façon à ne pas empalmer la carte. Et quand vous ouvrez votre portefeuille pour aller chercher une carte qui est dedans, ça se glisse en fait naturellement comme un opale molette et vous pouvez la sortir. Donc d'ailleurs, c'est même très bien expliqué dedans aussi. Il y a plusieurs versions. On vous montrera tout ça. Je trouve ça mais vraiment génial parce que imaginez encore l'effet. Une carte est choisie pour les gens. Non mais pour les gens, dans la tête des gens, c'est la carte, c'est fort que vous l'ayez trouvée. Mais en plus, le dessin qui correspond à la carte, c'est fabuleux parce que je pense que pour un spectateur, c'est irremontable. Tout à fait. La seule chose qu'il pourrait se dire, c'est dans la poche qu'il a 52 cartes différentes, avec en plus tous les dessins qui peuvent correspondre sur chaque carte. Ça veut dire que vous avez 3000 cartes dans la poche. C'est impossible. Voilà. Donc franchement, c'est très puissant. On vous donnera toutes les idées, les conseils et tout ça la semaine prochaine. Donc rien à dire, vous pouvez aller les yeux fermés, c'est très très bon. Vision 2.0, Matthew Rides. On peut parler des livres, même si on ne peut pas en trop en dire. Et après, on fait celui-là. Ouais. Parce que celui-là, je le trouve pas mal. Alors, parler des livres, oui ou non. Celui-là, on l'a reçu. Celui-là, on l'a reçu, mais c'est juste pour dire qu'on l'a reçu. Je sais. Il est fermé. Je connais pas le contenu. Il est fermé. Il va peut-être le lire la semaine prochaine. On va voir. Luca Volpe, Chabara. Tu peux lire le... Je l'ai mis sur le site. Mais le résumé, voici un livre de mentalisme pas comme les autres. Chabara a été écrit avec un objectif précis en tête, susciter votre imagination et stimuler votre processus créatif. Donc j'imagine bien que c'est peut-être le même style peut-être d'effet que le livre de Julien Montoro là. Non, parce que l'autre était assez spécial. Ouais, mais bon, j'ai l'impression que déjà quand je lis ça, ça va être pareil. Donc stimuler votre processus créatif pour aboutir à une expérience de mentalisme qui touchera profondément les spectateurs. Chabara vous apprendra comment susciter l'émerveillement avant même de choisir la personne qui vous assistera dans votre spectacle, et vous découvrirez comment un beau scénario peut transformer une simple idée en une démonstration très forte. Donc effectivement, c'est pas pareil. Donc voilà. Regardez un peu ce qu'il dit, mais si vous cherchez quand est-ce qu'il va arriver, mais il est déjà là. Voilà. Mais... de chez CC Édition. Mais c'est vrai que le... C'est quoi le livre de Lucas? Le jeune? Non, celui qui était vraiment bien, là, qui décrivait un spectacle de mentalisme en quelques minutes. Clé en main, c'était très 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 bon. Très bien. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il dit dedans. Parce que c'est vrai qu'il... Luca Volpe, quand même, de très bons conseils. C'est quelqu'un qui travaille énormément et du coup, ce qu'il décrit, c'est des choses qu'il décrit de son propre travail. Et souvent, le résultat est quand même très très bon. Après, on a Vincent Hédan. Rayman. Alors, Rayman, je crois qu'il n'y a plus besoin de décrire cette. Connaissant Vincent, ce truc-là, c'est un truc qui est dur. Parce qu'il n'a quand même pas le même cerveau que moi. Pas du tout. C'est sa méthode est quelque chose de simple. Moi, ce que je dis là, c'est moi, mais il dit le contraire là-dedans. Ben oui, mais parce que tout est bien fait pour que ça soit facile. Ça, c'est ce que tu crois. C'est pas parce qu'il va te faire une démonstration de mémorisation d'un jeu qu'il a un cerveau
qui est supérieur aux autres. D'accord. C'est quand tu en fais une routine de mémorisation de jeu, je veux dire, on sait très bien qu'on mémorise pas un jeu. Même si on donne l'impression. Après, c'est vrai que son truc est très très bon. Alors, là je parle de ça parce que c'est sa routine de base qu'il a fait connaître. Où à chaque fois il boit avec le jus d'orange, machin et tout ça. Puis à c'est force de boire. Avec le jus d'orange ouais, il part, je ne me rappelle plus exactement, mais il dit que c'est ça qui l'aide et ainsi de suite. Mais du coup, là, comme c'est quand même quelque chose qui a été décrit et redécrit, du coup, j'ai hâte de le lire en entier parce que du coup, je ne l'ai pas lu. Mais pour voir si c'est effectivement sa routine de base ou s'il est allé plus loin dans la description de son tour ou s'il a rajouté autre chose. Donc, et après le train, ça c'est plusieurs chapitres pour expliquer après le milieu. Ou alors si c'est plusieurs méthodes pour faire un tour de jeu mémorisé. Donc du coup j'en sais pas plus, mais connaissant le titre, forcément on se doute bien que ça va parler de ça. Je vous envoie la vidéo qui va tout vous expliquer, parce qu'il en parle bien, et il dit vous avez besoin d'apprendre le jeu. Mais tout ce qu'il va dire, c'est il va dire mieux que nous. Moi, je me rappelle quand il avait fait au magasin, il était venu en conférence, il avait expliqué de A jusqu'à Z, c'était excellent. Ah oui, c'est fabuleux. C'était excellent. Ah, c'est sûr qu'il a eu un prix. Hein, ah bah oui. Donc, c'est pas pour rien. Alors, je vous envoie la vidéo, il va tout vous expliquer, et vaut mieux que ce soit lui qui le dise que nous. Allez, c'est parti. Tout à fait. En 2008, j'ai présenté pour la première fois ma routine Rain Man lors du concours FFAP à Aix-les-Bains. Cela m'a valu le premier prix dans la catégorie mentalisme. C'est également cette routine qui m'a fait remarquer pour le congrès des 4F aux États-Unis et qui m'a permis d'intégrer ce groupe légendaire. Enfin, cette routine m'a aussi valu le prix du mérite lors du championnat de magie 2012 au Canada. Vous pouvez voir la routine complète en vidéo sur mon site. Le titre de la routine vient du film classique Rain Man, où Dustin Hoffman joue le rôle d'un autiste révélé comme un génie de la mémoire. Le film contient de nombreuses scènes démontrant ses capacités, et ces moments sont de merveilleux effets de magie et de mentalisme. Entre autres, le personnage est capable de mémoriser très rapidement plusieurs jeux de cartes mélangés. Le cinéma est l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, et cette prouesse mentale m'a poussé à créer ma propre routine et à lui donner ce titre. Rain Man n'est pas une routine isolée, elle a évolué à partir d'une idée plus simple avant de devenir une routine complète. J'ai donc décidé de d'abord décrire la routine d'origine, avant la pluie, afin d'introduire les concepts de base dans un effet plus maniable avec un seul jeu de cartes. J'explique ensuite Rain Man tel que vous le voyez dans la vidéo du concours. Le texte, la préparation, la technique et les subtilités psychologiques, tout est détaillé ici pour que vous compreniez comment la routine fonctionne, mais surtout pourquoi elle fonctionne. Je vous propose également deux autres effets sur le même thème. Après le train fait référence à la toute dernière scène du film et pousse la méthodologie encore plus loin avec 6 spectateurs et 6 jeux mélangés sans effort supplémentaire de votre part. Triple Rain Man se présente avec un seul jeu mélangé, 3 spectateurs et absolument aucune mémoire ou aucune technique. Sa méthode s'éloigne des 3 routines précédentes tout en vous permettant de présenter une démonstration de mémoire impressionnante. Le livre détaille aussi la préparation des jeux nécessaires. Ils ne sont pas fournis car nous utilisons tous un chapelet différent ou des dos de cartes différents. Leur préparation n'est pas difficile et ne nécessite que 2 outils de papeterie coûtant moins de 30 euros. Vous serez ainsi complètement autonome pour fabriquer vos propres jeux. Ces démonstrations ne nécessitent pas de complices ou d'assistants, pas de double réalité, pas d'électronique ou de matériel compliqué. Sachez également que vous devez absolument connaître un chapelet par cœur pour présenter Rain Man avant la pluie et après le train. Le livre et les explications se basent sur le chapelet Mnemonica de Juan Tamariz. Cependant, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel autre chapelet et de préparer vos propres jeux en conséquence. J'explique dans le livre comment adapter la routine à d'autres jeux mémorisés. Ce livre contient plus de 10 ans de réflexion et de travail, dont vous trouverez de très nombreux détails sur l'aspect technique, sur les différents trucages, ainsi que sur la présentation et la gestion du public. Expliquer comment les choses fonctionnent est souvent rapide, mais cela ne vous donne pas une bonne compréhension du pourquoi des choses. J'ai donc préféré vous expliquer le comment et le pourquoi en détail, afin que vous compreniez les choix méthodologiques et psychologiques que j'ai faits, et que vous puissiez les adapter à votre travail. Dans ce livre, je dévoile pour la première fois plusieurs principes et idées que je n'avais jamais décrites avant.
En 2018, la première édition limitée avait été épuisée en seulement quelques heures. Depuis, vous étiez nombreux à demander quand ce livre serait à nouveau disponible. Cette création m'a beaucoup apporté et je pense que vous prendrez plaisir à l'étudier et à la comprendre. J'espère que ces idées sauront vous inspirer dans votre propre parcours. À bientôt. Donc voilà, vous avez vu la petite vidéo et je venais de m'apercevoir pendant que je la faisais tourner que j'avais oublié de la mettre sur le site, donc maintenant elle y est. Donc du coup j'ai pu voir moi aussi. Voilà, j'ai remis la vidéo. Là, du coup, ce qui est effectivement, il y a une suite pour pouvoir agrémenter tout ça. Allez, un petit profil. Donc voilà, donc ça, Rayman, Vincent Edan. De quoi tu vas faire ? Celui-ci. Profil. Alors ça, Nicolas pareil, Mavris, on l'a adapté en français. Jonathan. Alors c'est tout moi qui ai fait, j'ai eu du mal. Et je me suis concentré pour que ça soit très simple pour mon petit cerveau, sans avoir, comme lui, des pompes. Donc il n'y a pas besoin de pompes, vous avez tout dans la tête et c'est très simple. Vrai ou faux ? Alors c'est vrai, ouais. C'est quand, alors le truc est bien fait de base, hein. C'est une méthode qui est connue, hein. Il y a aucune nouveauté là-dedans. Mais c'est vrai que c'est sympathique l'idée de pouvoir faire choisir une carte et qu'il va se passer quelque chose en fonction de la connaissance, des mots, de ce que va dire les gens. Parce que vous allez me dire, ah oui, ben ça va, tu fais un forçage de la carte et puis c'est terminé, tu as le même résultat. Oui, c'est vrai, mais il n'y aurait pas tout le jeu qui va avec. Là, il y a quand même un petit jeu, on pose des questions. Les questions sont totalement des questions... la personne répond... vraiment ce qu'elle veut, c'est quand même un truc qui est bien amené, mais effectivement, lui, dans le truc de base, il se sert de son étui pour en fait pouvoir un petit peu poser les questions qui au bout d'un moment vont être bonnes pour pouvoir nous arranger à faire notre truc. Lui, il a un design bicycle qui colle ici et tout est écrit et ça passe inaperçu. Enfin ici. Ouais, et du coup, c'est vrai inaperçu. Voilà, oui, ça passe complètement inaperçu, hein, c'est très bien fait. Hein. Mais comme c'est tout en anglais. C'est forcément tout en anglais. Donc du coup, en réfléchissant un peu, en prenant des méthodes qu'on connaît d'association d'images et de mots, du coup, ça a permis de pouvoir sortir une version en français, donc on vous expliquera. Et ma version, et sans elle va vous aller... pile poil même à la vôtre, ouais, vous allez voir, c'est très simple. Parce que c'est vraiment très simple, c'est très simple en fait. Du moment qu'on l'a fait une ou deux fois, les mots nous sont en tête, on comprend pourquoi. Et du coup, ça reste très simple. Bref. J'ai montré à Jérôme, il m'a dit c'est bon, j'ai tout retenu. Ah bah ouais, j'ai tout retenu. Ça va de suite. Et pour ceux qui l'ont acheté déjà, attendez encore un petit peu. Pareil que ça, on va les faire ensemble. Vous aurez l'explication dans la foulée. Ouais. Il y a deux routines qui sont... Alors sur le site, il n'y en a qu'une que vous voyez sur le teaser. Mais du coup, il y en a une deuxième qui est assez sympathique. Et donc finalement, on a décidé de vous faire trois routines avec ça. La première, alors je vais pas faire la même routine avec la prédiction. Il y a marqué, si vous avez choisi ça, c'est que vous êtes quelqu'un de fort ou je sais pas quoi ou machin. Mais là, ça, on s'en fout, c'est juste pour faire le final. Et la routine avec ce fameux climax à la fin qui démontre pas dedans, mais qui est sympathique. Allez, il parle. Donc tu veux faire quoi alors ? Ma version. On fait d'abord un truc de base ? Ma version à moi, tu la connais pas encore. Tu sais qu'il y en a trois je vais en faire un. Je sais. Mais tu connais pas ce que je vais te dire. Allez ! On verra bien. Ah ouais, mais attends, j'ai pas de... Ouais, on s'en fout de la prédiction. Fais quoi, la première version ? Ouais, on va faire la première version de base. Normalement, on sort une petite prédiction. Non, mais je l'ai pas là, je vais pas me lever. On s'en fout, de manière, vous allez voir ce qui se passe. Tu veux un jeu de cartes ? Non, on s'en fout. Ouais, allez, donne-moi un jeu de cartes. Mais non, parce qu'il faut un jeu de cartes. Je regarde pas. Je sors une petite prédiction. Allez, tiens. Non. Tu sais quoi ? Limite même, je sais ce qu'on va faire. Tu vas... Donc là, t'as improvisé. Mélanger le jeu. Ouais, on va improviser, mais au moins, on peut aller beaucoup plus loin. Tiens, vas-y, coupe le jeu où t'as envie. Et cette carte, on la met dedans, ça sera la prédiction. Alors c'est fort parce que c'est mélangé, il coupe, on prend la carte. Donc improvisation totale pour dire qu'on peut faire un petit peu ce qu'on a envie. Ma prédiction est là, depuis le départ. Un jeu, 54 cartes, toutes différentes. Mm-hmm. Hop. Vous avez vu ? C'est bon, on voit bien.
Et ce que je vais te demander, Thierry, c'est très simple, parce que c'est toi qui vas le faire. C'est autrement, il n'y a aucun intérêt. Tu vas choisir une carte en fonction en fait, de ta personnalité. Et pour ça, je vais moi te poser des questions. Je vais essayer d'apprendre à te connaître. Et en fonction de ça, eh ben, ça sera un choix déterminant en fonction des réponses que tu vas me dire. Bien. Et alors, je vais te laisser le jeu. Et par exemple, si je te pose comme question, je sais pas moi, je vais d'abord te montrer l'exemple, après on fera le tour. Si je te pose comme question... Tu vas m'en poser combien? Alors, je vais seulement en poser que 4. Ça, c'est très important. Il n'y aura que 4 questions de poser. Je pense qu'en 4 questions, ça suffira amplement pour déjà commencer à connaître le spectateur. Mais par exemple, l'idée, c'est si je te dis alors, de je me dire... Je sais pas ce qu'il va me poser comme question. Je connais le tour, mais c'est lui qui a fait sa routine. Donc, si je te dis de me dire qu'est-ce que tu as dans la poche maintenant, tu me réponds quoi? Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Je sais pas, c'est une question au hasard, c'est pour vous montrer le principe. Hein. Une pièce, bon ben ok, bah, si par exemple tu avais une pièce, tu épellerais pièce, donc P, I, E, C, E, S, et ainsi de suite. Et si j'ai billet, je t'ai billet. Ah, exactement, donc tu es d'accord avec moi que je peux pas savoir ce que tu as. Préservatif. Ou, bah, exactement, donc tu imagines que suivant ce que tu as dans la poche, forcément les cartes, je ne peux pas savoir sur quelle carte tu t'es arrêté puisque je ne connais pas. Mais bon, ça c'était seulement l'exemple. On va faire quelque chose d'un peu plus. Un petit peu plus pour tout le monde. Souvent, pour connaître la personnalité des gens, on va d'abord leur poser une question qui est très simple. C'est, dans un arc-en-ciel, par exemple, si tu devais me citer une couleur qui te vient directement comme ça dans la tête, tu dirais quoi? Je sais pas, magenta, il y est pas. Non, il y est pas, non, il y en a 7. Alors, tu vois, alors déjà, là, je sais déjà que j'ai affaire à un trisomique, ou un tocard. Pardon pour le mot. L'orange, il doit y être. Voilà. Orange. À l'orange, il y est. Tu vois, je suis bon, hein. Non, mais c'est, vous comprenez que c'est dur de travailler allez, ici. Violet. Donc, allez, violet. Allez, il y est le violet. Orange, allez, orange, allez. Ah ben je sais pas. Allez, je dis orange. Parce que je sais même pas il y a quoi comme couleur. Y a... Ah ben, alors, je te les cite. Il y a orange. D'accord. Je l'ai pas dans l'ordre. Il hein. Y a jaune, il y a rouge, il y a vert, il y a violet, il y a bleu. Et il manque une couleur, c'est le... Oui, quand c'est je disais magenta, c'était les couleurs primaires à l'école où il fallait mélanger. Ah, il m'en manque une, j'ai dit quoi? Toi, jaune, je crois allez, que j'ai je pas dit. Je prends l'orange, allez. Alors, donc, tu as 7 couleurs, tu vas en choisir une, celle que tu veux. Ben, je change, elle est violet. Ah, c'est, je veux pas t'influencer. Il était violet, je m'aime pas. Ah oui, écouter. Il est allez, violet. Tu veux pas vert? Non. Tu veux pas rouge, tu veux pas bleu, tu veux violet. Alors, tu prends le jeu et t'épelles violet. Tu sais comment c'est écrit quand même violet. V. V. I. O. L. E. T. Et T. Ben super, impeccable. Ça, c'est la première question que je t'ai posée. Je peux pas dire orange. Ah, ben si tu veux dire orange. Je continue. D'accord. Exactement. Non, mais tu crois violet? Oui, violet. Donc c'est bon, t'as bien V. I. O. L. E. T. Tout ça, c'est important quand même que le spectateur ne fasse pas n'importe quoi. Donc il faut quand même bien suivre ce qu'il dit. Donc on se sera rendu compte encore une fois que s'il avait dit autre chose que violet, ben forcément les cartes auraient été différentes puisque ouais, forcément on n'a pas le même nombre de lettres. Maintenant je vais te poser une deuxième petite question, je vais te poser la question typique même du teaser. Autour de toi, tu vas me citer un objet que tu vois autour de toi là, qui est présent. Je peux dire stylo, je peux dire téléphone, je peux dire... Tu peux dire ce que tu veux. Carte, allez. Des cartes. 1, 2, 3, 4, il y en a plusieurs, cartes avec un S. Et donc tu appelles carte avec un S. J'aurais pu dire téléphone. Ah, t'aurais pu dire téléphone. C'est vrai que tu me dis un objet, donc je peux choisir vraiment ce que je veux. C. Donc C, A, R, T, E et S. Donc encore une fois, on est d'accord que si le spectateur avait vu, je sais pas moi, on était dans un bar et là il voit une cafetière, bah forcément on aurait eu forcément un nombre de cartes différent. Troisième petite question, si par exemple je te dis... C'est vrai que là tu peux pas me... Je peux pas t'influencer. Même si je les vois, même si je vois mon téléphone, même si je vois un stylo, c'est le hasard. C'est le hasard, c'est ça qui est très très bon. C'est pour ça que cette méthode au final est assez intéressante et sympathique pour le spectateur. Allez, troisième petite question, on va en faire quatre, donc il en manque plus que deux. Donc ça c'est vraiment, on fait quatre questions. Si par exemple, je te dis que tu es dans une salle par exemple avec des amis... le premier ami que t'appellerais comme ça, il s'appellerait comment? Robert, même si c'est pas mon ami. Robert. Tu veux garder Robert? Tu sais comment ça s'écrit? Ouais. Alors vas-y. R-O-B-E-R-T. Et T.
Et donc là, on est donc sur trois questions. Et la quatrième question. Alors là, donc je connais déjà une couleur que t'aimes bien. C'est le violet, tu m'as dit? Violet. Violet. Ton ami s'appelle Robert. Et toi, tu as choisi des cartes. Mon père. Ouais. Ah, d'accord. Ok, bah, je connais pas. Ah bah tiens, on va faire un truc sur le culinaire, tiens, pour voir. Bon, je sais comment tu pèses, donc sûrement que je me doute de ce que tu vas me dire. Mais par exemple, si tu devais manger un bon truc, là, un truc quand même bien gras, tu prendrais plutôt, je sais pas moi. Non, 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 non. On va pas faire ça parce que je sais que dans pas longtemps tu pars. Tiens, on va essayer le voyage, tiens. Par exemple, si tu devais partir tout de suite, là, tu vois, tu resterais en France? Ou tu partirais aux Bahamas? Instantanément, là, dans cette même période où je te parle. Pour pas que tu penses que je dis Bahamas, je dis Et France. moi, je savais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël, donc du coup, tu restes au magasin. Ouais. Donc, tu resterais en France. Il y a de l'argent à prendre. Alors, ben, vas-y, F. R. T'en as pas passé deux, là? Non. Non, ça va. R. A. A. N. N. C. C. E. Tiens, tu peux mettre la carte sur le côté? Celle-là? Donc, t'imagines que cette carte, le 4 de trèfle, est en fonction de tout ce que tu m'as dit. Si tu m'avais dit des choses différentes, tu serais arrêté peut-être beaucoup plus loin, beaucoup plus près. Et bien, ce qui est assez étonnant, je ne touche rien. Elle est où la petite boîte où tu as coupé et tu as mis une carte à l'intérieur? Là. Tu peux l'ouvrir. Et c'est extraordinaire, mais montre-la de face plutôt, vas-y. Je ne veux pas toucher, moi. Mais j'avais prévu exactement le même carte. C'est fort, hein? C'est un super tour, ça s'appelle Profile. C'est vraiment génial. Quoi, t'aimes pas? Non. Pourquoi? Mais bah, c'est pas la même. Ah oui, mais c'est pas la même. Non, mais attends, attends, attends. C'est peut-être pas la même au niveau de la face. Oui. Mais par contre, c'est exactement la même au niveau du dos. Quoi, ça te. Non? Mais non, mais parce que t'es quand même tombé sur la seule carte bleue d'un jeu qui est lui tout rouge. Ah, Et là, ça fait mal. Pour ça, je comprenais pas comment tu. Voilà l'idée du tour profile, donc c'est ça qui est bien avec cet effet-là, c'est que voilà, on peut tout laisser au spectateur, il peut entièrement examiner le jeu, parce que le jeu est entièrement ordinaire. Ouais, tu l'as improvisé, ça. Oui, ben non, ben lui il finit comme ça aussi, il dit, vous tomberez sur une carte rouge, et en fait il tombe sur une carte noire, il dit non, non, mais rouge, il retourne, elle est rouge, et tout le jeu est bleu. D'accord. Donc là c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça vite Donc fait, le parce que jeu je est l'avais pas normal, préparé. il n'y a pas de carte collée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rough in fluid, il n'y a En pas de gros, vous carte tombez sur courte, une carte que vous avez prévue. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a une seule. Et c'est ça qui est assez étonnant. Je suis coincé du coup. Parce que le spectateur va annoncer ce qu'il a envie. Et en fait, vous allez pouvoir le faire tomber sur une carte que vous avez prévue de base depuis le départ. Donc là, c'était le petit truc, on va dire, comique. Hein. C'est pas la bonne. Même lui, il croyait que je m'étais trompé. Et je l'ai vu à sa tête. Mais je sais pas où. Et voilà. Et du coup, voilà, on montre qu'en fait, c'est les mêmes et que tout le reste est rouge. C'est pour les gens. Ah oh, mince, comment c'est possible? T'as une autre version ou pas? Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, la version typique du teaser. C'est pour donner des idées tout ce qu'on peut faire. Où on montre les cartes sont posées par le spectateur et ça marche. Deuxième petite version que franchement j'aime bien. Alors là je vous la fais version assis parce que j'ai pas le choix, mais bien sûr l'idéal ça serait de le faire debout et en version vraiment close-up. Ça c'est avec un tiroir. Yes. Ça se fait avec un jeu de cartes. Moi j'aime bien. Hop. Oui, si, celui-là. 52 cartes, pareil, toutes identiques ce coup-ci au niveau du dos. Alors on va commencer différemment ce coup-ci, puisqu'on va montrer les dos. Et je vais te demander, Thierry, avant de faire quoi que ce soit, de me dire le nom d'une carte que tu aimes bien. Au hasard, on s'en fout. Oh. As de trèfle. On s'en fout, puisque le As de trèfle. C'est la seule que j'ai pas. Bon, dis-moi dans une autre. On a compris qu'on peut dire n'importe quelle carte, mais j'ai pas la de trèfle. Donc, dis-moi dans une autre. 8 de pique. Dis-moi celle que tu veux. Mais non, mais je m'en fous. J'ai. Voilà, 8 de pique. 8 de pique. Donc là, on a compris que n'importe quelle carte peut être annoncée, mais j'avais pas la de trèfle, décidément. Et tu vas signer ce 8 de pique. Alors. Ouais, non, pas avec ça. Ah non, ça c'est du carreau là. Attends, je suis bloqué du coup. Hop, attends, j'en ai un là, je crois. Yes.
tiens. Et tu signes le 8 de pique. Donc tu fais une belle signature. Donc là vous avez compris que n'importe quelle carte peut être choisie, il n'y a pas de forçage. Et que le spectateur choisit la carte. Une fois que la carte elle est choisie, on demande au spectateur, tu me dis stop quand tu veux, je défile et tu me dis stop. Stop. Hop, tu poses ta carte. Voilà, et tout ça c'est reposé dessus. Une fois que ça que c'est fait, hop, c'est mélangé et on va partir sur la même idée de base. C'est-à-dire que ce coup-ci, par contre, une carte a été annoncée par un spectateur, elle est perdue dans le jeu, on ne sait pas où elle est, le spectateur ne sait pas où se trouve sa carte, et pourtant on va essayer un petit miracle. Et pour ça, on lui dit que une carte peut être retrouvée en fonction aussi de sa personnalité. Donc par exemple, on va dire plus ou moins pas les mêmes choses, mais si je devais te poser une question, tiens, quelle couleur tu prendrais par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tu me dirais quoi? Oui, ben on reste sur le même truc. Allez, orange. Donc voilà, donc prends le jeu, et comme ça tu L, O, R, tu laisses les cartes face en bas. Ou violet, je sais pas. Allez. Je dis quoi, orange? Avec ce que tu veux. R, A, N, G, E. Ok, très bien. Donc là, on explique que vous êtes d'accord avec moi que si tu avais dit vert, forcément tu serais attiré sur une carte avant et une carte après. Oui. Deuxième petite question, si je te dis par exemple, là sur le comptoir qui est en face de toi, quel objet tu pourrais aller chercher là maintenant, ou cite-moi un objet que tu vois. Il y a mes clés, la lampe torche, il y a le scotch, il y a mon téléphone, il y a les colis, il y a mes lunettes et les téléphones. Donc, tu épelles téléphone pour chaque lettre. Donc, T-E-L-E-P-H-O-N-E. Donc là, on a deux questions. Alors, toujours pareil, c'est toujours quatre questions, ça change pas. Si je te dis, par exemple... Alors, on a fait ça. Imagine, tu pars en voyage. Tout à l'heure, tu as dit que tu restais en France, mais imagine, tu pars en France, dans une autre ville, et tu veux faire un cadeau à ta femme. Et alors, tu serais plutôt or ou toc? À ma foi. Parce que bon... Or. Ah oui, moi j'aurais du toc. Attends, ma femme c'est une princesse, c'est de l'or. Que de l'or. De l'or et des diamants, allez. Bon, ben... Or. Or. Ah ben oui, oh, super. Et... Je suis bloqué. Ouais. Et... Allez, quatrième petite question. Tout à l'heure, je te parlais de quelque chose de culinaire. On n'a pas posé cette question. Si tu devais manger quelque chose de bien gras, là, tu vois, parce que là, on commence à rentrer dans l'hiver, un couscous. Tu prendrais plutôt, je sais pas moi, boudin noir ou saucisson? Tu vois? Boudin noir. J'aurais cru que tu allais dire saucisson. J'en ai jamais mangé. Ah, c'est vrai? Ben écoute, alors, je te laisse, c'est comment ça écrit, boudin noir? B-O-U-D-I-N-N-O-I-R. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Et tu viens prendre la carte et tu la poses. Donc, boudin noir, orange, de l'or, je sais plus ce que tu m'as dit. T'imagines que encore une fois, et là, je vous le dis aussi, suivant ce qu'avait dit Thierry, forcément, on serait tombé sur des cartes complètement différentes. Tu te rappelles la carte que tu as dit depuis le départ? 8 de pique. Et je t'avais dit que ta carte pouvait être choisie en fonction de ta personnalité. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tu t'es arrêté sur une seule et unique carte. Ma carte signée? Et c'est la carte signée de Thierry. Pour la mettre dedans et tic-tic-tic. C'est fort quand même. J'ai pas suivi. Et tout ça, ben dans un jeu de 50 de cartes. Mais le pire, c'est que j'étais tellement sûr, en plus que tu allais choisir le 8 de pique. Ma carte signée. La carte signée. Que quand tu as annoncé le 8 de pique depuis le départ, ben par rapport à ta personnalité de tout à l'heure, je savais que tu allais dire 8 de pique. Parce que j'avais même pas mis la précaution d'imprimer les autres cartes. Car j'avais un jeu qui était tout blanc, et encore une fois... Pas de roofing, pas de carte machin... Exactement, donc on reste toujours sur le même principe de base. Et le 8 de pique, c'est vraiment dit au hasard. Tout à fait. Tu aurais pu dire 7, 8, 9, 10, voilà, 1, 2, 3, 4, 5... compris, je vais dedans pour prendre le jeu, mais on s'en fout. Mais en version close-up, c'est encore beaucoup plus facile. C'est pour dire l'idée. L'idée est excellente, parce que comme ça, on va pouvoir inventer plein de choses. Avec Thierry, on s'est amusé à trouver plein de mots et tout ça. Et cette version-là, avec le jeu blanc, est assez spectaculaire parce que ça confirme un petit peu plus le truc. On peut enfoncer le clou et qu'on peut retrouver des cartes
par rapport à la personnalité des gens, donc c'est très très fort. Moi, encore une fois, on peut tout donner à examiner. C'est pour vous montrer qu'on peut partir dans n'importe quelle direction. Jérôme. Donc du coup, troisième version. Tu es plutôt... Donc là, j'attends la version parce que j'ai commencé à voir les mots écrits tout à l'heure. J'ai bien rigolé. Échangiste ou exclusif? Allez, on va faire un peu rigoler. Ah ben moi, je dirais échangiste, mais ma femme, elle veut pas. Donc du coup... Allez, vas-y, échangiste, si tu sais l'écrire. Donc j'appelle échangiste? Ouais. Allez, c'est une blague. E-C-H-A-N, giste, G-I-S-T-E. Si vous avez vu, ça fait quand même un paquet de lettres. Hein. T'es plutôt dessus ou dessous? Je sais pas, t'as déjà essayé de remplir une cruche à l'envers, pas. Oh, ça c'est déjà. Est-ce que tu veux dessus ou dessous? Allez, dessus. Allez, vas-y, dessus. Donc dessus, je rigole. D, E. Ah, t'es plutôt dessous. S, S, je dis dessus, U, S. Passif ou actif? Ah, moi j'aime bien rien faire, moi. Ah, tu fais rien, t'attends? Moi j'aime bien. Allez, passif. J'aime bien rien faire comme toi au magasin. Allez, tu prends exemple. Allez, passif. Allez, donc P, A, 2 S, passif, I, F. Et tu es plutôt... Attends, là, ça fait 3 questions, donc 4. 4. Hein. Tu es plutôt... Donc, c'est toujours 4, hein, questions. C'est ça qui est bien, il n'y a jamais de truc où on se dit ah, on va attendre quelque chose et tout ça. Tout seul ou à plusieurs? C'est toujours la même chose. J'aimerais bien à plusieurs, mais ma femme, elle veut pas. Et vas-y, hein, on voit. Si elle m'écoute, elle va me tuer en rentrant à la maison. Ah, donc, je réponds plusieurs. Allez, plusieurs, avec un S, donc. Alors, ouais, donc P... L, U, S, I, E, U, R, S. Et la dernière. Ah, j'aurais pas dû la regarder, c'est dommage. J'aurais dû la deviner. Ouais. Ah ben oui, c'est sûr que si tu comptais la deviner, c'est facile, ouais, c'est pas grave. On s'en fout. Donc c'est quoi ma carte? Eh ben c'est... T'es pas censé l'avoir vue? De pique. De trèfle. Ok. Je le savais, parce que c'est la seule carte blanche du jeu. Tadam ! Ouais, j'aurais dû dire, c'est pour ça que j'ai dit As de trèfle tout à l'heure, parce que c'était ma carte que je devais retenir. Comme quoi, c'était pas truqué, il faut dire une carte au hasard. Oh, le tocard. Donc j'aurais dû dire, oui, ta personnalité, je vois oui, là, plus un As de trèfle pour ta carte. Toi là, tu le prends tant que je m'arrête sur une carte, je la regarde, tu la devines pas, enfin tu la connais pas, tu te concentres, tu la devines, en fonction de ce que j'ai dit, mais je le savais parce que c'était blanc. Parce que c'est un vrai jeu blanc, il n'y a pas de carte courte, effectivement, ou machin. Effectivement, ça marche aussi très très bien comme ça. C'est pour vous dire qu'une fois que vous avez la méthode, vous faites ce que vous voulez avec les questions que vous voulez. Et ça peut être rigolo, oui, parce que c'est vrai que là, c'est quand même marrant. Là, je suis parti sur le un peu trash, un peu sexe, mais vous pourriez être plus soft. Non, mais c'est très bien. Donc voilà, s'appelle profile. C'était pour vous montrer qu'on s'est bien amusé avec ça et que l'idée est quand même bonne. Il faut dire ce qui est, l'idée elle est quand même très très bonne. Bien. Eh ben, on peut parler de Tetra, même si on va pas le faire. Ouais, attends, ça. Je vais juste cacher ça. Ben Tetra Cube, j'ai vu toute la vidéo. C'est une belle idée. Parce que c'est encore un autre... On peut même pas imaginer le concept du cube. On vous envoie la vidéo. Et après, on en reparle. Ouais, plutôt. Allez, ouais. C'est parti. C'est mieux. We'll be right back.
vous avez vu la vidéo. Alors moi, je parle du trucage, vraiment exceptionnel, surtout que c'est un gamin canadien, je crois. Oui. J'ai entendu quand tu l'as écouté, c'est... C'est ça, puis en plus, c'est expliqué, il y a Vincent C qui vient dans l'explication pour un petit peu être là, donc c'est sympathique. Ça fait de la bonne pub. Donc Tetracube, et comme vous avez pu voir, c'est une résolution de cube ou un changement de face qui est extrêmement rapide. C'est un trucage qui est complètement différent des autres cubes. Très beau. C'est très très beau. Ça vaut largement son prix. Il n'y a rien à dire. Voilà. Après, si vous me posez la question, parce que c'est vrai que là vous avez vu un teaser où il n'y a que des changements comme ça, attention, c'est pas un cube qui est fait pour jouer avec comme un cube 3 ou un truc comme ça, et à la fin on le résout. Non, c'est juste un cube qui est mélangé ou pas, et que vous allez pouvoir changer instantanément en une autre face. En gros, c'est la fin. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça, c'est la fin. 3, machin, d'abord, vous faites une routine, vous le changez pour autre chose, parce qu'il y a des routines où on utilise plusieurs... oui, non, mais bon, c'est quand même... faire que ça, ça serait ridicule. Dans une routine de scène, pourquoi pas, on fait des trucs, on prend, claque, voilà. Mais c'est fait pour faire un final, effectivement, extrêmement bluffant, parce que comme vous avez pu voir, je sais pas si dans le teaser, il montre tout, mais on a un change qui est en jeté, on a un change qui est sur le bras, on a un change qui est juste dans les mains, on a le change... Ben oui, ici, il montre tout, en fait. On a le change qui est en faisant rouler le cube sur une table. C'est quand même très, très puissant. Moi, dimanche, j'ai des invités à la maison. Mon fils fait le Rubik's Cube. Il va montrer sa performance parce qu'il est fort maintenant. Il a 7 ans, mais il fait un Rubik's Cube en 2 minutes 30. L'autre fois, il est allé plus vite que moi. On a fait la petite course, il est allé plus vite que moi. Et une fois qu'il aurait fait ça, je vais faire ça. Mais je vais le faire juste pour le changer. Oui, non, mais une fois que le cube est... Parce que mon fils n'est pas au courant. Je vais lui dire, ça, tu sais le faire, regarde. Ah oui, c'est sûr. Donc je vais bluffer tout le monde, je vais faire juste un effet et voilà. Non, mais tout à fait, mais c'est pour ça que je dis que c'est effectivement, comme d'ailleurs tu l'as bien dit, c'est plus un final qu'un truc où on va faire que ça, puisqu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose avant pour pouvoir agrémenter ce truc-là à la fin. Alors si vous le voyez en rupture, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, j'en ai juste pris un pour essayer, mais j'en ai recommandé pour la semaine prochaine. Voilà. Par contre, au niveau trucage, c'est d'une simplicité par contre déconcertante, et je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est simple, c'est efficace. Alors il y a plusieurs méthodes aussi de un petit peu comme les cubes de résolution avec les coquilles. Alors il n'y a pas de coquilles dans ça, mais il faut choisir avant, d'ailleurs il le dit bien à l'intérieur, il faut d'abord choisir avant le tour que vous voulez faire. Parce qu'il fournit des autocollants, il en fournit quand même deux fois, je crois, des autocollants. Mais si vous collez les autocollants sur... Parce que le cube est tout noir de base. On peut le montrer, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a juste à coller. Ouais, voilà. Et si vous voyez des vidéos... Le cube est tout noir de base, donc je peux vraiment me permettre de le montrer comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc, sur toutes les faces. Donc, c'est ça qui est très, très bon. Mais du coup, forcément, comme il le fournit de base noir, puisque c'est à vous à coller les autocollants, ben, d'abord, réfléchissez... Et c'est pour ça qu'il dit bien, regardez toute l'explication en entier, de façon à savoir comment vous allez coller les autocollants en fonction de la routine que vous allez faire. Et si vous voyez 2-3 vidéos où vous avez l'impression que le cube n'est pas droit, c'est parce qu'ils ont collé les autocollants tordus. Ah ouais, c'est une... Bon, quand on regarde le... Donc du coup, on a l'impression que le cube, il a une drôle de forme. Donc c'est parce que les autocollants sont tordus. Ah ouais, quand j'ai vu les autocollants coller, le mec il les colle, c'est... Il était pressé, ouais. Il était pressé de vendre le tour, vite, c'est une merveille. Mais bon, voilà, après c'est vrai que ça fonctionne très très bien, ça fait pas de bruit, si on a un change qui est rapide, il n'y a rien à dire, ça reste très très beau. Bien. J'entends du monde, on va couper une seconde et on vous reprend de suite. Alors, on est revenu, on va vous présenter ça. Alors, Jérôme, il a adoré. Ouais, c'est une bonne version de la colombe. Je vous envoie la vidéo et on vous en parle juste après. C'est parti. We'll be right back.
pas vous faire le tour, mais on va vous montrer le matériel. Et ouais, c'est vrai que c'est joli, parce que vous montrez une boîte vide, qu'il n'a pas fait lui. Il n'a pas montré. Oui, c'est vrai, au début, il ne montre pas. Ouais. Donc tu montres une boîte vide. J'aurais bien aimé, moi, vous montrer la version directe en live, mais c'est vrai que aucun intérêt de faire ça avec un truc en mousse, même si vous avez compris que j'aurais voulu le faire quand même, parce qu'on prend une colombe pour faire cet effet, mais c'est vrai que l'idée est pas mal, parce que ça fait tout de suite penser à une Firebox. On est sur le même principe, mais sauf que la Firebox, on met un foulard, on passe la main, on met le foulard au milieu, on tire. Mais bon, du coup, ça reste le truc de base. Et là, le fait de le faire quand même avec un animal, quelque chose de véridique, et en plus, on travaille sur une épaisseur qui doit faire à peu près 23 mm, peut-être un peu moins, 22 mm. On se demande où c'est... Bah pareil, voilà, c'est peut-être, allez, peut-être 2 mm de plus, mais on se demande où est la colombe. C'est ça qui est assez intéressant, parce que ben, on a cette finesse quand même de la boîte. Alors c'est Tora, donc c'est pas non plus... Voilà. Tiens, ça je l'ai enlevé. Faudra le coller. Ouais, non, mais c'est rien, c'est le truc où il y a la molette. Donc ça restera, donc c'est quand même bien fait. Alors c'est sûr que les trucs, ça reste toujours du vinyle posé dessus. Donc oui, c'est plus comme avant, mais ça reste quand même propre. Ça reste quand même propre. Le tour, comme vous avez pu voir, donc lui, c'est vrai qu'il ne montre pas la boîte vide dès le départ. Mais c'est vrai que moi, je serais d'avis d'abord de montrer la boîte vide, de montrer que c'est vraiment vide, sans dire qu'il y a des miroirs, sans dire que c'est une boîte qui peut contenir des choses comme ça, mais de vraiment montrer l'intégralité de la boîte, de venir ensuite... effectivement poser cette petite plaque magnétique et là de là mettre la colombe, faire le feu. Donc là c'est déjà impressionnant parce que quand on met la colombe dedans et qu'on met le feu, on a quand même une belle largeur de flamme. T'as les couteaux là. De quoi? Ouais, on a une belle largeur de flamme, donc c'est assez intéressant. Et ensuite ben, de là on met les couteaux et on monte la disparition. Et ce qui est bien, c'est que sur la disparition vous avez vu qu'on est ultra clean parce qu'on tient la boîte de cette façon. Donc comme on tient la boîte de cette façon, je vais me reculer un petit peu. Déjà on a une présentation qui est normale, ordinaire, et on peut se permettre de faire ça et en fait et de venir faire ça et de montrer la boîte des deux côtés. Donc à chaque fois on va pouvoir vraiment montrer l'intérieur ici et l'intérieur pourquoi pas ici si les gens peuvent penser qu'il y a quelque chose qui masque le fond. Moi je crois qu'il y avait des miroirs, c'est pour ça qu'il est pris sur un fond blanc parce qu'il y a des miroirs. Donc franchement c'est le top. On a zéro angle puisque les gens peuvent être forcément sur les côtés puisqu'il n'y a rien à cacher et il n'y a rien à dire, franchement il n'y a rien à dire, ça fonctionne vraiment très très bien. La molette qui est ici, ça reste une bonne molette, donc ça reste propre. Je ne sais pas si la pierre se change. Et si vous avez un angle change, qui est sur côté, vous le remettez. Ouais, mais ça c'est rien, c'est parce que j'ai mis un coup tout à l'heure. Est-ce que la molette se change? Alors ça par contre c'est moins sûr. Donc on sera obligé de les vérifier avant de les envoyer. Est-ce parce que la moulette se change? Il manquait les pics. Non, alors ça par contre, ça se sort pas. Donc ça par contre, ça se sort pas. À moins qu'elle soit vraiment très collée. Mais non, je pense pas, j'arrive pas à la sortir. Mais voilà, donc au niveau vraiment tour de base de la colombe transpercée comme ça, c'est très magique parce que y a le feu et une très belle disparition. Donc rien à dire sur le tour en lui-même. Voilà, Wonderful Dove Box, Appearing Any Insect Off Dove. Juste, je me méfie quand même, ouais, ça va. C'est vrai, ça arrive qu'ils font les trous plus petits que les tiges. Mais là, ça va. Bien. Donc ça, pour ceux qui font donc de la scène, en magie forcément, colombe, hein, c'est vrai que c'est bien. Hop, hop et hop. Tiens, ça je le remettrai. Ensuite, il y a ça. Alors nous, on a regardé avec Jérôme, on n'a pas trop compris sa démonstration. On verrait plus j'ai pas trop des fleurs ici. Plutôt que lui, il prenne une graine, il la jette dedans et fait apparaître quelque chose. Ouais. Nous, on verrait plus des fleurs qu'on joue avec. Je verrais effectivement comme si c'était un vase. Avec toutes les fleurs plantées dedans, donc déjà c'est plus logique d'avoir un truc avec des fleurs posées, on les enlève et à partir de là on va sortir... On prend une pétale, deux pétales, trois pétales, on met effectivement dedans. Ça, ou on sort des foulards classiques et on va produire notre bouquet de fleurs de base
comme toutes les fleurs classiques qui se produisent. C'est exactement le même que le... Ah, le même que le... Bouta... le... Que celui de la, du unboxing d'avant. Là. Ouais, avec l'arrosoir. Voilà. Donc ça reste le même principe. Ça va vite, c'est très simple. Et c'est à vous de choisir ce que vous allez en faire. Exactement. Bien. Il ne nous reste pas beaucoup de choses. Ça, ça tu peux en parler même. Non, si ouais, on... bah oui, ça, je l'ai bien, enfin, je l'ai bien vu. J'ai vu que la démo, mais. Le seul inconvénient, c'est que c'est que iOS. Donc, on ne pourra pas vous aider pour vous l'installer, pour savoir toutes les. Ouais, pour l'instant, sur Android, il n'a pas sorti. On ne peut pas le mettre. Donc, si vous voulez vous acheter ça, vous débrouillez vous-même. Mais ça reste quelque chose d'exceptionnel. Explique-nous l'effet. Alors, ben, l'effet, donc Interceptor. De Mariano Goni, donc on connaît tout maintenant Mariano Goni, on sait ce qu'il fait, on connaît ses produits. L'idée est un petit peu comme, c'est une cumulation de tous ces fameux tours, qu'on appelle ça, de Maxime, et l'autre là, on devine dans la même position, pas A4, c'est... Chronos. Non, pas Chronos. Maxime. Bref. L'idée c'est quoi? C'est on arrive avec un jeu de cartes, on le montre, on peut l'étaler sur la table, les 52 cartes sont toutes différentes, il n'y a aucun souci. On va demander au spectateur de couper le jeu, où il a coupé, de regarder sa carte, de remettre sa carte dans le jeu. Donc là, tout ça, il faut penser que on fait ça avec le regard qui est détourné, d'accord? Enfin, du moins, on peut. On pourra regarder ce que fait le spectateur, mais si vous voulez vraiment pousser le truc à son maximum, on peut le faire ça avec le regard entièrement détourné, il n'y a aucun souci. Donc, le spectateur coupe, il regarde sa carte, il la remet là où il a coupé, le jeu est égalisé, et puis là, le spectateur peut encore une fois couper le jeu autant de fois qu'il a envie, le jeu n'est pas mélangé, le jeu est seulement coupé, mais effectivement, on ne connaît pas où est la carte. Et... On peut annoncer la carte. Et on va... De quoi ? On peut annoncer la carte qu'il a choisie et en quelle position. C'est pas on va annoncer, c'est qu'en fait, depuis le départ, on a un petit QR code sur, une carte de visite. Exact. Et en fait, là, le spectateur prend son téléphone, scanne le QR code, et en fait, il y a un message qui va lui dire que sa carte choisie est, par exemple, n'importe quoi, le 6 de trèfle, et qu'elle se retrouve en 42e position. Effectivement, le spectateur prend le jeu, compte 42 cartes, et à la 42e, ça sera le 6 de trèfle. Donc l'idée de base c'est quoi? Donc ceux qui connaissent un peu Mariano Goni, on sait très bien que toutes ces fameuses applications fonctionnent la plupart du temps avec les fonctions de votre propre téléphone. Et en fait c'est ce qui va se passer. C'est votre propre action de votre téléphone qui va tout simplement capter toutes les informations que fait le spectateur. Et par un calcul tout simplement d'algorithme de base comme Maxime. Ben, va envoyer, une fois qu'il aura fait son calcul, va envoyer l'information sur un site internet. Et ce qui fait que quand le spectateur va scanner le QR code, forcément, il va avoir les bonnes informations qui arrivent. Donc c'est quand même pas mal. L'idée est bonne, c'est assez subtil. Quand on voit la démo, tout est justifié. On n'est pas là à chercher... à essayer de tâtonner, l'idée est vraiment très très bonne, c'est bien, mais sauf que le problème c'est que j'aurais bien aimé vous le montrer, mais on n'a pas d'iPhone, ouais. On n'est que sous Android, donc désolé. On envoie la vidéo, tout simplement, ouais. Déjà. Allez, c'est parti. Hello guys, my name is Mariano and I created Interceptor. The Interceptor app uses the latest AI models for recognizing playing cards and make the most incredible predictions with it. The spectator chooses any card at will and this card can end in any position they want. Yet, you are able to predict in their phone
the correct outcome every single time. But this is not a one-trick pony app. You can perform also incredible predictions in the spectator's phone. You want to see a full performance? Stay here. We have 52 cards, okay, not 40, 52, from a shuffled pack, right? Yes. Cut and shuffle pack. So, first of all, I'm going to give you my personal card, which has a prediction on the other side, okay? Okay. You will need to scan this to see the note for you, but just keep it there from the start. Now go ahead and simply touch any card you like, any card at all. This one. That one, perfect. I'm going to separate at that point. Yes. Okay. And show the card to you and to the camera. Okay? Yep. Remember it? And the card goes in the same place. But if I make a cut, now the card is at another position. Yeah. If I cut again, of course, it's another position, but I will let you cut the cards. So you change the position. You wanna cut again, or it's fine? One more, okay? One more time. Yeah. And now nobody knows exactly where is the card. It's impossible to know. I will place this on top so nobody tampers with the pack of cards, and I will let you scan the QR code with your phone. Because there's a prediction there. Go ahead and read it out loud. I have a feeling that Maria will touch the Queen of Diamonds. Queen of Diamonds, what's the card? Yeah. This card will be at position 49. From the top. Yes. Greetings, Mariana. So 49 from the top. Do you want to count the cards? Yes. Just go ahead. Okay. Count it. Face up. 1, 2, 3, 4. Eight. What was the card? Eight. The Queen of Diamonds. Queen of Diamonds. No, you're kidding me, right? Show it to the camera. Magic. Donc voilà, vous avez vu Interceptor. Interceptor. Alors, il y a du monde qui vient d'arriver, j'en ai profité pour préparer ça et on va le refaire. Eh ben, allez, let's go. Coucou tout le monde. C'est madame qui va le faire et c'est toi qui va réfléchir. Ça marche. Il y a Léon le... Léon. Le magicien de... T'as eu un prix toi à... Avignon. Avignon. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Léon, il a eu un peu fatigué. Voilà. Donc mademoiselle, vous et allez choisir un symbole parce que là, il y a une cheminée avec un carré ici, une étoile... une croix, un rond, un carré, une étoile, un rond, ainsi de suite. Tu choisis celui que tu veux, tu le laisses sur la table et tu mets la cheminée par-dessus. Ok. Tu enfonces bien jusqu'au bout pour pouvoir fermer la boîte juste après. Allez, ça marche. Alors, on le met là. Moi, je me retourne. C'est bon. Bien. Je mets mes lunettes, on ne sait jamais. Et je me concentre. Ouais, c'est des symboles ESP marqués. C'est pas le carré. C'est pas l'étoile. J'hésite entre celui-ci et celui-là. Eh ben, je vais dire le rond. C'est bien c'est ça, bien joué. C'est ça. Alors Léon, vu que tu es l'homme de la situation, tu vas examiner et tu vas me donner ton avis. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on voit absolument rien, même en l'ayant dans les mains de très très près. On peut rien percevoir. C'est vrai, hein, on voit rien. De tous les côtés. Donc c'est... Ouais, bah, ton premier ressenti, ma première hypothèse, j'aurais de te dire, est-ce que c'est pas visuel,
Parce que je m'imagine que ça. Alors, j'ai mis les lunettes exprès pour embrouiller, c'est pas du tout visuel. Ok. Donc tu peux le faire les yeux fermés. Oui. Tu okay. pensais à quoi toi? Je me disais peut-être que en fonction de la hauteur, tu sais, du ouais, couvercle souvent, ou comment ils font il ça. Voilà. Souvent ils font ça, ouais, suivant s'il y a du jeu, mais je suis pas obligé, je peux ne pas le toucher. Je me suis même imaginé, tu sais, là à l'époque, ce qui les momies dans les coffrets de, ouais, dans les coffrets de magie, ce qui te mettait. Ouais. Ben non, c'est ni la hauteur, ni le visuel, ni je ne touche pas l'objet et j'aurais pu le faire les yeux fermés. Mais c'est très très bien fait, indécelable. On peut donner le matériel à regarder. C'est vraiment bien ajusté à chaque fois, donc on peut pas savoir. Ah, ça, pour être bien ajusté, c'est bien ajusté. C'est un magicien à la retraite, ou alors un monsieur tout simplement à la retraite, je sais pas s'il était magicien, que j'ai rencontré au Diavol, et qui m'a proposé tous ces petits objets en bois. Donc on en a deux pour aujourd'hui, et la prochaine fois d'autres. Celui-ci s'appelle Divination. Voilà, on n'en a pas beaucoup à chaque fois. C'est une série avec toutes les explications à l'intérieur. Il s'appelle Gilles de Villard. Et très très bon matériel. Et toi qui t'y connais en fabrication. Ah ben, il fait tout avec de la découpe. De la découpe laser, sur du médium de 3 mm. Donc ça permet de faire des coupes. C'est du beau matériel. Ça permet de faire des trucs quand même assez, assez précis. Avec son petit effigie ici. Alors de temps en temps c'est du médium. Là on est sur un genre de contreplaqué, du contreplaqué d'ailleurs. Et donc tout est assemblé à chaque fois avec des petites encoches et collé. Donc c'est sûr que ça permet de faire quelque chose de propre, de simple. Et on a l'impression que rien n'est truqué puisque ça reste comme du bois de maquette qu'on pourrait même trouver dans les jouets enfants là où les enfants montent leur maquette avec du bois, alors que pourtant parfois ils se cachent des trucages dedans mais ça se voit pas. Donc voilà. Donc c'est pas au niveau de plus ou moins une hauteur, c'est pas au niveau espace qui serait en plus, c'est il y a aucun visuel qui peut me donner le c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de transparence non plus. On pourrait imaginer ici qu'on voit à travers. Enfin, qu'on pourrait voir à travers. Non, tout à fait. Parce que c'est du médium. Donc pour l'instant, tu sèches. Ouais, je donne ma langue au chat. Bon, ben voilà. Ça, c'est le premier. Et le deuxième. Tiens, Léon. Je pars pas d'ici tant que. Tu peux examiner. Pareil, okay. Tout en médium. Ok. Tu peux examiner. Ouais. Bah ça a l'air normal. Hein. Enfin, c'est même normal. Tu peux toucher si tu mets les doigts dedans. Ouais, non, petite fente ici. Ok, on est bon. Ouais, ça bouge pas. Ok, très bien. Ensuite, tu as une petite pièce qui va là. Hop. Je sais pas si on voit. Yes. J'essaie de la tenir avec une petite fentonnette derrière. Mm-hmm. Donc on voit toujours la pièce puisqu'elle est toujours là. Ah ouais. Et ensuite, on va mettre ce symbole. Okay. Il y a un sens, non. Hop. Ah si, les encoches. Donc tu vois toujours la pièce. Elle est là. Je confirme là. qu'elle est vraiment dedans. On la yes, voit, impeccable. Alors, je vais prendre une clé et je vais la passer à l'intérieur. Mmh. Et ça passe. Et pourtant, si on regarde, il y a toujours... Ben non, elle est où, elle est pas. Je sais pas, on va ouvrir. Et tu peux examiner qu'il y a toujours, ouvre la main, la toujours pièce. La pièce. Extra. Pas mal. Sympa. C'est très sympa. Et on peut revérifier en plus. Ok, génial. On fait pas le vendeur, toi, tu fais celui qui cherche. Non, mais en vrai, je fais pas le vendeur. J'essaie de montrer, de chercher c'est en même pour temps. Le vendeur. Non, mais c'est vraiment. C'est du beau petit bricolage. Non, ça marche bien parce qu'on voit rien du tout, hein, honnêtement. T'as pas non plus capté. Là, du coup, j'ai une hypothèse. Ouais. Mais en fait, en regardant, j'ai le droit de toucher un peu plus, mais ça correspond pas à ce que j'ai imaginé, tu vois. Enfin, en le regardant comme ça annule, tu vois, mon idée. Mmh. Je sais pas si je suis en face de l'objectif, mais c'est non, franchement, ça hein, c'est vrai, hein. Ça marche bien. Voilà. Bravo. Celui-là, il s'appelle, il est là. Est-ce que tu vois un autre? La pièce traversée.
Voilà, c'est des petits tours, ils vont pas être trop chers, ils vont pas dépasser les 30 euros. Et c'est du beau bricolage. Donc si vous voyez qu'il est un peu colorié dessus, là, c'est parce que mon fils, il a mis du coup de stylo. Mais celui que vous allez recevoir, il n'y en aura pas. Voilà, ça c'est pour. Après, s'ils veulent un coup de stylo, on peut s'arranger. Mais c'est vraiment du beau travail, parce qu'il faut qu'il crée d'abord le mécanisme, et qu'après qu'il fabrique la pièce. Et je pense qu'il doit avoir beaucoup de... Bah ça demande du temps, parce qu'il faut le dessiner, il faut faire un DAO, il faut le découper, ouais. Il faut caler. Il doit avoir des essais. Ça reste de la découpe laser, donc c'est de l'usinage. Alors pour la couleur, il m'a dit que c'était de l'impression UV, donc voilà. Tu t'en vas Ouais, j'y vais. À bientôt, merci. En tout cas, très très bon, très très bien, et à la prochaine. Allez. Ciao. Allez, au revoir. Merci. Eh bien, il y a Claude qui vient d'arriver. Schmitt. Il a coupé parce que j'ai dit Schmitt. tu peux pas recouper. Il s'appelle Arlequin, il s'appelle Claude. Et t'es venu pourquoi, au fait? Parce que là, tu le coupes. Pour vous dire bonjour, les amis. Bien. Salut, c'est alors, génial ce que vous faites. Hein. D'après ce que j'ai compris, oui. Il vient m'amener des tours de magie, donc tu vas être, tu vas être piégé, tu vas nous les montrer. Même si on n'a pas beaucoup de temps, et il nous reste quoi, Jérôme? Mini-book, ça, on enverra la vidéo. Ouais, ça, on enverra la vidéo parce qu'il n'y a rien de particulier. Et ça, on fera la semaine prochaine. Allez, on parle de mini-book et Claude, tu le fais juste après. D'accord. Ok. Allez, mini-book, donc du coup, bah, Thierry, on verra la vidéo aussi parce que bah, je comptais le faire, mais bon, c'est comme on n'en a que deux, du coup, si je plie une carte, du coup, les gens ils vont dire que c'est plié, puis de toute manière, il n'y a rien de. The new laptop that I bought the other day. Right. It looks absolutely fantastic. It's great. It's the best in its class. The only problem is, it's a little small, right? It's not great on size. That is the main problem. It's absolutely beautiful. Right, so let me just grab it here, right? So, there we go. We'll get you to choose a card because that laptop does one thing. It can actually find playing cards. This little laptop is going to find your card in this deck, right? Grab the pen, sign your name across that there, right? Give these cards a cut and lose your card into the middle of the deck. I don't know what the card is. Yeah. You know what the card is. Yeah. The laptop's going to work out. That's what the laptop's superpower is. All you have to do is just, if you type in the name of your card, and she's hiding it. So I'll look away, right? I'll look away. Beautiful commitment to the gag, very good. That's perfect, that's perfect. See, if you have a look, see, it should be fifth. Fourth from the top, just press enter there. One, two, three, four, five, stop. Three, four, five, and you said the sixth card. So the sixth card. Sixth card is the... You didn't sign it? Wrong card? Wrong card. You know what, we can fix this. I just need to reset the laptop, is that all right? Yeah. The laptop's been reset. No, you're actually... It says your card's on the table. Check it yourself. Whoa. Is it in your seat? Yeah. Oh, shut up. No. Look about. Close. Stop it. You might need to reset the computer, is that okay? I'll reset the computer. Quand vous allez voir la vidéo, théoriquement, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Mais oui, parce qu'il cache rien dans la vidéo, il le fait tel quel, mais voilà. Les gens qui regardent, eux, le tour, ne voient absolument rien. Mais il faut juste penser... L'effet que vous allez produire quand vous allez le faire, c'est moi pour moi, c'est de la bombe atomique. C'est génial. Rappelez-vous de l'effet de l'unboxing avant. Vous savez, ce truc avec la fumée que j'avais dans la bouche, puis je pose la fumée, puis à la fin, le système de fumée devient la carte. Comme le fameux Sharpie, où le secteur signe, on pose le Sharpie, puis le Sharpie devient la carte. Comme la boîte d'allumettes aussi. Il y a plein de tours comme ça qui existent depuis des années avec ce même principe.
Et ben là, du coup, c'est un principe avec un petit ordinateur. Alors, c'est un petit, c'est vrai que la justification est pas mauvaise. Je connais le tour, mais je sais pas comment il justifie ça. Et ben non, mais comment il le justifie? C'est très simple. En fait, il demande le téléphone d'un spectateur. D'accord. Et il demande d'aller sur un site pour aller regarder tout simplement ce fameux petit ordinateur. Il explique que c'est un petit ordinateur qui a la vente, qui peut faire des choses particulières. Donc effectivement, le spectateur prend son téléphone, on lui demande de taper une adresse, je ne sais plus laquelle c'est. Et puis effectivement, on tombe sur une page avec ce petit ordinateur qui s'ouvre et qui tourne comme en présentation, comme si on allait sur un iPhone ou sur n'importe quoi, sur un site de vente de produits... j'allais dire électroménager, moi, de produits informatiques. Alors, c'est pas Apple, hein. Non. C'est un pic. C'est ça. Coupé comme Apple. C'est ça. Et du coup, donc, on voit le petit ordinateur qui tourne. Et puis, effectivement, dans l'image, on va piquer l'ordinateur. Et on va le poser. Et donc, déjà, il sort de l'écran. Donc, ça reste un petit effet. Jusqu'à là, bon, il n'y a rien de transcendant. Mais ça reste un petit effet. Pour l'amener, c'est intéressant. Et on explique que ce petit ordinateur est... Alors, déjà, c'est joli pour les gens, parce que quand les gens vous leur montrez ce petit ordinateur, là en plus c'est du métal. Ouais, c'est du métal. Voilà. Alors, petit métal en aluminium sûrement, ou un petit alliage. Bref. Du coup, quand les gens ont ça dans les mains, c'est mignon, parce qu'on voit bien que ça reste juste une plaque. Mais bon, voilà. Donc l'idée est mignonne. Et on dit que cet ordinateur est capable, en fait, de connaître plein de choses, de résoudre plein de choses. Il a le dernier processeur, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, si vous les connaissez en informatique, c'est le moment de balancer tout ce que vous connaissez. Bref, vous faites choisir une carte à un spectateur, donc l'ordinateur est ici, la carte est signée par le spectateur, elle est perdue dans le jeu, et vous dites que le seul moyen de retrouver, c'est d'utiliser en fait l'intelligence de l'ordinateur. Donc on demande au spectateur de prendre l'ordinateur, et de rentrer comme ça le nom de la carte. Il rentre dans la carte, ok, c'est fait, donc là on voit bien, ça rigole, parce que forcément on voit bien qu'on fait n'importe quoi. Et puis nous on récupère l'ordinateur et on commence à taper entrée, et là on dit, attendez, on attend parce qu'il est en train de charger. Ah, là il dit que votre carte se trouvera en 10e position si vous faites 5 mélanges. C'est quand même fort quand même. On ferme l'ordinateur, on le pose, on donne le jeu au spectateur, le jeu fait 5 mélanges, enfin le spectateur fait 5 mélanges, donc il fait 1, 2, 3, hop, on lui demande d'arrêter. Et là, on dit donc qu'il se trouvera en 42e position. Le spectateur compte, là on va dire 5, ça va aller plus vite. C'est leur compte 5, et en 5e position, il n'y a pas sa carte. Ah mince! Alors peut-être qu'on a mal rentré le code, donc on va faire un reset de l'ordinateur. Donc le spectateur le fait, parce que l'ordinateur, on peut faire plusieurs routines, il peut rester ouvert. Et quand le spectateur prend l'ordinateur en main, il se rend compte que ce n'est plus l'ordinateur, c'est toujours la photo de l'ordinateur. Mais quand on déplie l'ordinateur en 4, c'est sa carte qui est signée. Donc ça me fait penser à un vieux tour, tu te rappelles le vieux tour de Simon Aronson, ouais, où on lit l'information, il a la carte dans la main, c'est fabuleux, c'est vraiment, Simon Aronson ou Aaron DeLong, je ne me rappelle plus. Bref, je ne veux pas dire une bêtise, mais bon bref, donc ça reste un effet qui est très fort, parce que du coup, l'ordinateur de base qui était depuis le départ sur la table, en fait va se transformer en la carte choisie et signée. Alors bien évidemment, oui, c'est pas un tour qui est non plus automatique, il faut savoir faire un pliage Mercury, mais c'est tellement fait dans un... En fait, le pliage Mercury va se faire au moment où vous allez demander au spectateur de taper le truc, donc toute l'attention est sur l'ordinateur, là, ça, c'est... donc vous pouvez limite presque vous retourner pour dire je veux pas voir ce que vous tapez, vous faites votre pliage, limite presque vous l'appuyez en 2 et en 4, que ça marcherait très bien. Donc franchement, la routine elle est bien conçue, ça fonctionne très très bien, il y a deux façons de faire, il y en a plusieurs mais j'en retiens deux, où il y a une façon qui est aussi très intelligente, parce que l'ordinateur il est montré en fait jusqu'à la fin, on n'a rien dans les mains parce que tout est fait pour que tout se cache dessous, et en fait on va plier on va prendre l'ordinateur de cette façon là et on va le mettre devant le spectateur et il reste toujours ouvert, donc on va avoir une image qui est encore beaucoup plus forte. C'est une autre façon de faire, de façon à ce que si le spectateur jette un œil comme ça, parce que quand on fait quelque chose et qu'on pose quelque chose quand même, le spectateur il a quand même toujours tendance à quand même regarder ce que vous faites, mais du coup là ça passera comme une lettre à la poste, parce que quand vous posez ça, l'image que a le spectateur, c'est toujours la même. Donc à la fin, quand lui-même déplie et qu'il sent déjà, oh mince, c'est léger, que c'est plus l'ordinateur et que c'est la carte quand il la déplie, c'est fabuleux. Donc il n'y a rien à dire, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est un autre tour, enfin c'est le même tour que les autres, mais à faire avec un matériel différent. On connaissait le Sharpie, on connaissait la boîte d'allumettes, il n'y a pas longtemps le truc à fumer, maintenant avec le petit ordinateur.
Et voilà. Donc, et c'était très prisé parce qu'à chaque fois, ça tombe en rupture. Oui. On l'a loupé deux fois. C'est déjà fourni avec, je ne sais plus combien il y a de cartes dedans. Et après, vous avez les recharges. Donc, c'est fourni avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc déjà avec 26 cartes. Alors, c'est pas du bicycle. Mais on a la trame bicycle parce que je sais très bien que pour faire imprimer derrière comme ça le bicycle ça aurait été très dur, mais on s'en fout parce qu'on est vraiment quand même sur une trame qui est toilée, donc le spectateur lui ne verra absolument pas du tout la différence. Faites-moi confiance, on est quand même sur une qualité de carte qui est extrêmement correcte. Vous pouvez changer la carte. Qui est toilée. Alors je sais, voilà, donc là on arrive à voir un petit peu le toilage de la carte. Là, on voit bien là sur le trèfle du milieu. Donc franchement, voilà, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez faire choisir plusieurs cartes. Pas toujours la même. Donc il y en a 25 ou 26, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Et bien évidemment, une fois que vous avez utilisé tout ce pack-là, bah, parce que forcément la carte qui est pliée, vous ne pouvez pas la redéplier, puisque forcément quand vous allez la forcer, on verrait bien qu'elle est déjà pliée. Donc forcément, ça veut dire que quand vous pliez une carte, vous jetez la carte, vous la donnez en souvenir plutôt. Pas vous l'ajoutez, vous la laissez vraiment sur la table. Donc il fournit des recharges sur un jeu de 52 cartes. C'est très bien, mais déjà bon, ça reste bien. Et j'ai vendu déjà des recharges alors que j'avais pas encore vendu ça. Ouais. Ça veut dire que les gens ont déjà acheté le tour ailleurs et ils ont besoin de recharges. Ah ben moi donc, je sais que le. Vous acheter des recharges aussi. Je sais que le tour va fonctionner, hein. c'est une certitude. Hein. C'est tous ces tours-là, quand à la fin la carte apparaît sur la table ou autre, alors qu'on s'y attend absolument pas et que l'objet devient la carte du spectateur, c'est hyper bluffant pour le public. Donc c'est très bien. Les magiciens qui connaissent ce produit. C'est qui Noël, que, Noël Carter, je Quarter. Sais qu'eux, ils vont le, ils Noël vont Calter, voir. Pardon. Et Roddy McGee, si je prononce bien le truc. Et Trick Trick Boom, c'est marqué là. De quoi? Oui, c'est Trick Trick Boom. Ouais. C'est pas un autre, c'est pas un monsieur? Non. Donc voilà, ça s'appelle Minibook. Minibook, Magic Minibook. Vous pouvez y aller. Eh bien Claude, tu as des tours à nous présenter? Oui. Ben, tu vas nous faire la démo. Voilà, je prends la place de qui? Ben, vas-y, prends la mienne si tu veux. Allez, viens. Allez, je laisse Claude. C'est le président de notre club. De notre association. Arlequin. Alors, il se produit quelque chose de fabuleux au petit magicien, c'est qu'il fait très froid. Mais je vais le faire quand même en chemise. T'as vu comment se gèle? Respect du public. Les gens ils rentrent, ils sortent, ils laissent tout ouvert. Voilà. Eh bien, moi j'étais en veste parce que j'ai froid. Ben oui. D'accord. Alors bonjour, amis magiciens, salut. Salut Thierry. Ça va mon Titi? Bien. Voilà, Thierry, Jérôme, ils font un boulot extraordinaire. Président. Oui, je me suis lancé dans une première conférence. C'est la première fois que je faisais une conférence, c'était à Fréjus. Et ils voulaient des petits trucs à vendre, etc. Donc j'ai ressorti des trucs que je fais depuis 25-30 ans. Quoi, qui sont rodés alors. C'est un peu rodé, oui, tout à fait. Et qui fonctionnent sûrement. Et qui fonctionnent. C'est ça, alors le packaging est très joli. C'est vrai. Ça, c'est le testament de l'oncle Sam. Alors c'était quoi, Adam? C'était des petits tours simples, c'est ça qu'il fallait que tu trouves? Des tours, voilà. Qui fasse quand même un petit peu d'effet, mais qui soit facile à faire. Il y a pas de... Vraiment, ok, facile à faire. Tout public, facile tout public, à faire. Facile à faire. Et qui fonctionne parce qu'il les a testés, retestés. Avec une petite histoire. Avec une petite histoire. Allez. Donc je vous fais celui-là qui s'appelle Le Testament. On va lever la pochette. Le Testament de l'oncle Sam. Bien. Ah ben, Thierry, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai hérité de mon grand-père. Ah bon? Oui, et je ne savais pas, que j'avais un oncle, c'est pas mon grand-père, je suis bête. Un oncle. Mon oncle, l'oncle Sam. L'oncle Sam. C'est marqué ça, ça se voit qu'il le fait souvent. Non, parce que j'ai un autre numéro avec mon grand-père. Je rigole. De l'oncle Sam. Et c'était mon oncle d'Amérique. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un oncle d'Amérique pour hériter de fortune. Et en fin de compte, j'ai hérité d'un oncle d'Amérique. Par contre, j'ai hérité de cette boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, à l'intérieur, il y avait ceci. Un billet de banque. Un dollar, voilà. Dollar américain. Des cartes. Une carte. Une quinte floche royale. Quinte floche royale. Et il y avait le testament de mon grand-père. Est-ce que tu peux lire à haute voix le testament du grand-père? Mon très cher neveu. Dis-moi. Je pense que c'est toi.
Ceci est mon testament. Tu seras mon unique héritier, car tu es un grand magicien. Il savait à l'époque. Je ne possède plus rien, sauf ma dernière main au poker et mon dollar fétiche. Dollar fétiche. Quand tu seras prêt, fais choisir, c'est pas une faute là, une carte à une personne sympathique et la magie fera le reste. Ah merde, ton ben là, oncle Sam. T'as que moi du coup. Bon, une personne sympathique. Il n'y a que moi, du coup. On est deux, il reste que Jérôme. Hein. Non, allez, je le fais moi. Allez. Allez. Donc, le testament du grand-père. Je le fais moi. Okay. Voilà, tu as le choix entre une, deux, trois, quatre, cinq cartes, n'importe laquelle. Et je peux prendre n'importe laquelle. Voilà, tu me mets le doigt sur n'importe laquelle. Valet de pique. Le valet. C'est rigolo, ça, parce que... Il faut vous dire que mon oncle trichait au poker, ça je l'ai su après des recherches, il trichait au poker et il a été tué, il est mort dans une partie de poker, d'un coup de revolver. Ah bon ? Et la balle qui a traversé la carte, c'était le valet de pique. Elle lui est arrivée droit dans le cœur. Voilà. C'est joli. C'est mignon. Ça marche. Facile à faire, ça... Je pense pas qu'on puisse le refaire deux fois à la même personne. Voilà, une autre table. On sait toujours que ces tours fonctionnent toujours très bien puisque les gens savent pas où on veut en venir. Donc ça. Donc c'est du one shot mais qui fonctionne à chaque fois. Ça et bon. Donc tu vends les cartes, tu vends le dire, trou, voilà. Tu vends le billet. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que il y a cinq sorties. Hein, on va pas se. Ah bon se... Oui, on peut me dire n'importe quelle carte. Et cette boîte sert pour justement une sortie, mais vous pouvez l'utiliser en boîte de. Boîte de nuit. En boîte de nuit. Mais en fait, non, mais alors, puisque de toute façon on le dit et c'est vrai, mais est-ce que toutes les sorties sont jolies? Alors, toutes les sorties. Parce que ça, c'est bien. Ouais. C'est vrai que quand c'est des tours à plusieurs sorties, souvent on se dit, ouais, mais il y en a une qui est beaucoup plus jolie que l'autre. Elles sont toutes sympas. Si tout est sympa, ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est du pas cher. Du pas très cher. Et les tours, ça fonctionne sur le public. Alors, le dollar, je tiens à préciser, c'est un faux. Hein, autrement, tu es obligé d'augmenter de 5 euros le prix. Donc, c'est un faux. Et, ça passe bien. Il y a une petite histoire. C'est le testament de l'oncle Sam. Et ça, pour l'anecdote. Tu l'as fait à la réunion, la dernière fois. Oui, je l'avais fait à la réunion. J'ai pas suivi. J'étais pas là. Et, j'ai entendu de loin. L'idée m'était venue dans les années. Dans les années 90. Par un Colombo. Un Colombo qui. Il y avait un épisode, là, tu sais, où il y avait le magicien. Là, il lui demandait. Téléphone, le cendrier, etc. Ça me dit quelque chose. C'était l'idée, mais on en a déjà parlé. Bien. Voilà, ça et... Tu fais plus jeune, là. Elle est vieille. Elle est vieille. Donc ça, et après j'ai ça. Alors, donc, pareil, pour ceux qui aiment les petits tours de mentalisme simples, ou que ça fait de l'effet, hop. Tout le monde, à partir de 7 ans, on peut... Enfin, je le fais. Non, mais à partir de 7 ans, n'importe où. Oui, non, c'est relativement simple. Puis j'ai fait ça. Alors ça, c'est tiré d'un vieux principe que j'utilise depuis des années. Victor Vincent l'avait fait à la télé il n'y a pas très longtemps. Ouais, ah, tu sais ce qu'il va faire ? Oui, oui. Et ce truc, c'est un truc qu'on trouve dans les bouquins de magie, mais il y a 20 ans, 30 ans. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un tour. J'ai là une liste d'objets avec 199 objets. Thierry, on verra après. Hein, voilà. Je vais te demander de me nommer un chiffre. Il y a plusieurs façons de le présenter, mais on va prendre la plus simple. Nomme-moi un chiffre, n'importe lequel, entre 1 et 99. En dessous de 99. Un nombre, pardon. Un nombre en dessous de 99, de 100. Donc de, 9, de 10 à 99. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, je ne peux pas. N'importe lequel. N'importe quel nombre. Alors si. 26, tu vas dire c'est ma date de naissance que je t'avais tout prévu. 18. Le 18. 18. On peut ? Oh, c'est génial. Est-ce que tu peux regarder ? Non, nous ne sommes pas complices avec Thierry. Hein. 18. Ouais, non, mais je regarde un peu les autres passages. Hein. Parce que là, je vois 18, chaussures. Chaussures, d'accord ? Chaussures. Et comme j'ai vu la jaquette là-bas, je me dis... D'accord, tu m'aurais dit 17, ça aurait été la brique, le 19, la fenêtre, tirelire, couteau, il y a de tout. Chaussures, eh bien, assiette, dans ma petite dossier, prédiction... Assiette, dossier, collant, tournevis, microphone... Oh magie, il y avait une chaussure.
Et ça, j'ai choisi 17. Dans la chaussure, il y aurait eu une assiette. Non, je rigole. Une chaussure. Voilà, un petit truc très sympa. Oui. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on réfléchit, je vois plus ou moins le principe. Tu vois le principe. On pourrait se le fabriquer, mais là, il est tout fait. Là, il est tout fait. Et après, voilà, c'est un petit truc. Vous avez la bourse, vous avez la chaussure, vous avez... pour un prix modique. Ça sera toujours chaussure. Mais c'est vrai que j'aurais pu dire 74. Si t'avais dit 66, ça aurait été avion. Cheval. 70, ça aurait été avion. Ah, oui. Avion, ardoise. Tout à fait. Hop, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et après, ouais, alors, pour là, ceux qui connaissent là, pas je le reconnais... principe, vous réfléchissez. Bon, là je reconnais que j'ai eu du pot. Là, sur le coup, j'ai eu du pot. J'ai une belle chance. Là, moi, j'ai eu de la chance. Mais bon, après, il y a une façon de la présenter. C'est un vieux procédé. D'ailleurs, c'est même dommage que tu aies eu ce truc-là, parce que je trouve que l'autre façon est meilleure, en fait. Tout à fait. Là, c'est vraiment un passe de suite au complice. Ouais. Hein. Et ouais, parce que là, on se dit c'est impossible. Alors, s'il avait dit 66, on commence. Allez. Bon. Et oui. Alors, on recommence. C'est... Parce que là, c'est un coup de... Parce que là, Thierry m'a cité le chiffre. On peut avoir la version mentale. Vas-y, allez. D'accord. Donc, tu penses à un nombre 74. Inférieur... Non, mais tu me le dis pas. Non, je dis pas. Tu penses à un nombre inférieur à 100. D'accord. Un nombre. Ça y est, tu l'as dans cette tête ? Oui. Dans ta tête. Je pourrais éventuellement, par rapport à ta date de naissance, etc. C'est vrai que on va compliquer les choses. Tu vas donc tu as un nombre à deux chiffres. Oui. Tu vas additionner ces deux chiffres. Ça y est. D'accord. Tu additionnes ces deux chiffres, donc tu as un nouveau résultat. Donc tu as ton premier nombre du départ et ton nouveau résultat. Et là, tu vas soustraire ce nouveau résultat de ton nombre de départ. Alors c'est compliqué pour Thierry. D'accord. Ça y est. Mon nombre de départ, j'enlève, d'accord. D'accord, le résultat de bon. De chiffre de ton nombre de départ, je le soustrais le nombre de départ. Ça d'accord. Y est. Alors, qu'est-ce que tu as... Quel était le 54. Résultat? 54, donc si on regarde 54, on a une basket. Oh. D'accord. Tu aurais pu dire oiseau, cendrier, etc., basket. Et on a effectivement... Oh, surprise. Et ouais, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Tout à fait. C'est bien parce que. Une basket. Il se dit, mais si j'avais dit 65. Ben, 66, oui, si 67, mon résultat était 65, arrivé à 5. Oui, à un de plus ou un de moins, ce qui aurait pu être pour les gens possible, eh ben même non. Même si vous avez compris, sachez que vous pouvez vous le faire. Vous pouvez le faire, hein. Mais au moins là, il est tout prêt. Je me suis fait. Il est vendu clé en main. Je me suis fait un peu chier à le faire, hein, c'est vrai. J'imagine, hein. Donc. Voilà. La basket de l'oncle Sam. La basket. C'est quoi, comment ça s'appelle? L'objet prédit. Ah, l'objet prédit, d'accord. On va le montrer à la caméra. L'objet prédit. Voilà. C'est sûr qu'il y a la basket qui est déjà vendue avec et tout, voilà. La petite bourse. J'en ai pas donné. Pour 1 euro, je veux dire. Pour 1,50€, ça vaut le coup. Et connaissant Claude, ça va pas être cher, je pense. Non, tu me diras les prix. Et j'essaierai de le mettre ce week-end avec, puisque ça fait partie de la review. Ben voilà. On a d'autres, on le fera la prochaine fois. Hein. Mais non, mais quand tu vois que tu dis que non, que Victor Vincent l'avait fait avec sur un grand écran. Fabien Olicard le fait aussi. Ouais. Moi, je me rappelle de Victor Vincent et que ça avait fait un carton dans la salle. Alors tu te dis pourtant c'est un principe classique. Non, c'est pas là. Moi, j'avais vu faire ça par. Et c'est un principe, mais c'est très très vieux comme principe. Et ce truc-là, je l'ai pareil dans les. Oui, ça se passe dans ma tête, je peux pas savoir ce que ah c'est. Ah oui, pour les gens, c'est très je regarde le chiffre. Et là, tu peux dire de suite, mais si tu avais dit 50, 60, 80, 90... Ça fait. Voilà. Joli. Allez, ben, les deux tours de Harlequin, de Claude... Et puis en plus, vous regardez, dans 50 ans, ça vaudra une fortune. Sur c'est eBay. Ça. Oh, bien avant. Merci à tous. Et merci à Jérôme et à Thierry pour leur... Rappelle-moi, je me rappelle jamais une... Unboxing. Ça veut dire quoi Unboxing. Unboxing. On ouvre les boîtes. Un déballage. On ouvre et on montre... Ok. Vous pouvez pas appeler ça démonstration de nouveau tour de magie du petit magicien. Non. Unboxing. C'est bien. Non, on est anglophone. It's a new trick. It's l'objet prédit. Ok. And that is the testament of my uncle Sam. Salut, moi aussi international. Je laisse la passe à Jérôme. Pendant que je traite le prix avec Claude, je vous envoie la vidéo de Crazy Farm et on en reparle juste après. Allez, c'est parti. Marcos Cruz presents Crazy Farm, ideal for entertaining your children.
a funny story about a mischievous penguin who has arrived at the farm in the wrong place. I told you that this peculiar penguin was very naughty. It has already changed size and it is also magical. Look how it changes color from black to red. Wait a minute, I think he's turning the penguin over. Could you show us the penguin's back? Behind is a red penguin. Turn the penguin to see his butt. We know there is a red penguin. Like where the giraffe came from. Show us the penguin again. How it is possible and now where that goat came from. This is a crazy farm and what a giraffe does on a farm. They live in a zoo. Show us the giraffe again and where it went and now how did a chicken arrive? Over there. Crazy Farm is available at your favorite magic store. Action. Donc vous avez vu, ça c'est pour la magie d'enfance. Ceux qui font de la magie d'enfance, ça passe très bien. Même si vous avez compris comment ça fonctionne, les enfants, ça marche. À chaque fois, ça marche bien. Qu'est-ce que t'en penses, Claude, toi qui fais de la magie d'enfance? Très bien, oui, c'est très sympa. Un coup de girafe, un coup... Oui, ça fait un peu comme un court-court lapin, mélangé un peu avec le lapin rouge, le lapin noir, et finalement derrière c'est pas ça. Oui, c'est un peu un mélange de tout. Même si on a rien qu'en... C'est comme nous, quand on voit le court-court lapin, on a compris comment ça marche. Et pourtant on l'achète et on le fait. C'est un des rares retours qu'on peut faire maternel. C'est-à-dire que pour les tout petits, à partir de 7-8 ans, ça va être plus compliqué. C'est ce qui manque à chaque fois. Ça, c'est des tours qu'on peut faire en maternelle, enfin, pour les enfants. Voilà, pour ceux qui parce qu'ils ne voient pas la subtilité, ils ne voient pas le pliage, le dépliage. Il y a une belle histoire avec, le matériel est joli, c'est sympa. Voilà. La ferme folle, Crazy Farm. Allez. Et ben, voilà, le reste on le fera la prochaine fois, il reste ça. Je reviens dans la caméra, vous savez pourquoi? Parce que je me les gèle et je reprends ma... C'est le bordel ce... Et oui, il fait froid. T'aurais pu payer le chauffage, hein, caméra, mais bon. T'aurais pu payer le DF. Les gens ils disent on est dans le sud, mais bon, dès que nous c'est en dessous de 14 degrés, on se gèle. Et moi j'ai pas froid. Oui, mais alors... ça c'est normal, avec le gras. Alors... Ah, eh ben on va dire au revoir. Tu voulais dire un petit merci, toi? Ou une petite information? Non, moi, je voulais dire que, du coup, normalement, la semaine prochaine, on devrait avec... je sais qu'il nous regarde avec Anthony de la Cité de la Magie. Alors, faire un petit live. Donc, du coup, on va faire un petit live sympathique. Il y en a, ils ne connaissent pas la Cité de la Magie. Eh ben, la Cité de la Magie, c'est un groupe que tient... hop, il y a plein de spam qui m'appellent. Où sont beaucoup de magiciens, beaucoup de clients à nous, donc c'est la Cité de la Magie. C'est comme Virtual Magie, c'est un endroit où se réunissent les gens et qui parlent. Oui, de si tu veux, oui, c'est un groupe, c'est un groupe de discussion. Et c'est très sympa, ils sont très sympas, Anthony, très sympa, donc n'hésitez pas. Qui font des vidéos de démonstrations, vous pouvez les voir sur des derniers trucs qu'ils ont fait, sur des trucs qui se montrent, donc... Donc voilà. Citédelamagie.com ou on tape la Cité de la Magie, on va tomber dessus. Sur Facebook, ouais. La Cité de la Magie, ouais. D'accord. Très sympa. Et du coup, donc, on va faire un petit live avec Anthony. Donc on va faire sûrement ça la semaine prochaine, donc la semaine qui arrive là. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui veulent regarder et qui voudraient savoir des questions, parce que c'est vrai qu'Anthony... et tous les gens veulent savoir un peu nos façons de voir les choses, comment on travaille, pourquoi on a fait de la magie et tout ça. Donc du coup, moi je serai en live, donc présent avec lui. Donc voilà, je vous invite à regarder et à vous mettre sur le groupe. Voilà. Ça fait toujours du bien.
Et si vous voyez qu'il est rouge, c'est que je l'ai détaché de ses chaînes et qu'il est parti faire... Ça va, je serai chez moi. Donc voilà, donc un coucou Anthony. Eh ben voilà. Mettez des j'aime, mettez des likes, mettez des... Comme il a dit mon fils la fois dernière. Nous, on va vous préparer un nouveau unboxing pour la semaine prochaine. On va essayer de tenir, parce qu'après, il y a Noël, ça va être très dur, mais on va essayer. Ouais. Il y a beaucoup d'explications vidéo à faire dans la foulée. On va vous faire ça. On n'a pas... on l'a déjà fait, mais... Oui, mais on a ça, puisqu'il est par terre aussi, que tu n'as pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Donc, des nouveaux gens en bois pour la semaine prochaine aussi, et on va essayer d'en trouver d'autres. Donc, voilà. Ce que j'aime bien, moi, c'est Profile. Et moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est ça. D'accord. Et ça, sur scène. Alors, tiens, fais-le. Ah oui, fais-le, vas-y, Claude. Tiens. Voilà. Éloigne-toi. On recule, vas-y, éloigne-toi. Allez, Claude l'a pas vu, donc petit truc, je vais lui présenter comme ça, comme si je l'avais ici. C'est dommage qu'on voit pas ta tête. Voilà. Allez, c'est bon. Reste là-bas, recule. C'est bon, oui, vas-y. Mieux être loin. Tu sais ce que j'ai dans la poche? Non, j'ai une main. Ouais, j'ai une main, mais j'ai un petit billet de banque. Wow. Et ce petit billet de banque, il est spécial parce qu'on peut le transformer directement, instantanément, en Rubik's Cube. Visuel, très joli. Ça va vite, hein? Ouais. T'as des parts ou quoi? Voilà. C'est joli. Je l'aurais refait une fois. Non, c'est pour vous dire que sur scène, moi j'aime bien. Cache Rubik. On voit que c'est pas un Rubik's Cube. Hein? Si. On voit que c'est pas un Rubik's Cube, mais sur scène, je pense. Ouais, mais t'es quoi? Il est derrière la caméra, donc ça veut dire qu'il est exactement. Il est exactement 1m80. L'expérience. Attends, je vais me reculer. Non, mais on l'a fait sur scène. Jérôme, on l'a fait. Voilà. Non, mais là, c'est même pas la peine. Le visuel est lié, mais. Le visuel est lié. Le visuel du billet en Rubik's Cube, il est lié. Ne l'achetez pas pour faire ça à la maison. Voilà, c'est pas en close-up quoi, en close-up ça Non, pas du tout, ni en salon, ni en close-up. C'est une routine de scène. Donc voilà, bref. Du coup, on a remonté ça. Donc ouais, donc moi ça reste quand même Vision, parce que Vision ça reste une très belle routine en close-up qui est, je pense, très puissante. Ça, je sais que je vais le faire. Ça, c'est joli. On va dire, c'est un classique. Mais là, le petit truc qui m'a interpellé un petit peu plus. Ça, je le fais dimanche. Moi, ça reste ça. Si tu vois la mécanique est exceptionnelle. D'accord. Les cras, bravo, c'est parce que c'est surtout que c'est un petit jeune qui a fait ça. D'accord. Donc voilà, Profile, je te le ferai tout à l'heure. On n'a pas eu beaucoup de choses comme on dit, mais il y a 2-3 trucs qui font quand même mal. On libère Jérôme, ça te dit Claude qu'on fasse les explications. On va faire les explications. Les explications en France. Il n'y a pas de souci. On va laisser sur ce. Même pas, on verra. Allez, merci à bye vous. Bye bye, à la prochaine. Et régalez-vous bien. À bientôt. Merci.